Et bonsoir. Ah, j'ai pas fait les réglages caméra. Ah voilà, je pars en vacances et j'oublie les trucs élémentaires. Caméra poivre, et là c'est bon. Oh, je suis fou. Une catastrophe ce truc. Ok, ça le fait. Encore un peu fou. Bonsoir Badgar du Nord, bonsoir Gégéva, bonsoir Apéis, bonsoir Mflo-Flo, bonsoir Pimento, Vepuedro, Lady des Chaudrun. Bon, ça flou, c'est flou, c'est flou. Je rentre de vacances, je suis flou. Et bonsoir Rebellor. Alors, est-ce que ça marche toujours mon truc de Picsou derrière hein? Si on lui balance ça par exemple. Ouais, ça marche. Bonsoir Black Ever. Et bonsoir à tous. Hein. J'ai un peu la voix un peu en vrac. Hein, parce que rhume, je sais pas pourquoi. Donc je vais boire pas mal d'eau, je pense. Mais à part ça ira. Donc ce soir, on va faire muse avec le super interphone de la mort, donc qu'on avait terminé d'assembler. Donc là, j'ai enlevé le cadran rotatif pour pouvoir accéder à la carte plus facilement. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir à s'embêter, mais le cadran est toujours là. Hein. Il est juste retiré pour l'instant. Et ça, c'est le premier interphone qu'on avait modifié. Donc j'ai le combiné qui fonctionne, qui est sous la main. J'ai accès aux boutons, notamment pour resetter la board s'il y a besoin. Et il y a les câbles USB que vous pouvez distinguer ici qui partent en fait direct derrière sur le hub USB. Et donc l'objectif, ça va être de commencer à développer à la fois, enfin je pense qu'on va bosser sur les deux en parallèle parce qu'il y aura certainement des modifications à faire sur le firmware qui est dedans, donc que j'ai conservé, que j'ai réussi d'ailleurs à refaire fonctionner parce que la dernière fois c'était pas une réussite. Et bien sûr le software qui tournera sur le serveur. Le serveur pour l'instant ça sera ma machine, mais à terme ça sera un Raspberry Pi. Donc voilà pour l'objectif. Et je dois avouer que j'ai pas trop cogité sur le sujet en fait. Je sais juste que je vais faire un serveur et que ça communiquera avec l'interphone. Je sais grosso modo où je vais dans les fonctionnalités, mais je sais pas quelle techno je vais utiliser. Je voulais le faire en C++ ou C au début. J'ai touché un petit peu à Rust avant les vacances, je trouvais ça intéressant. Je sais pas trop. Voir un petit peu. Bonsoir Kukrapogba. Pimento, je sais pas trop. Ça tiendrait qu'à moi, je le ferai en C. En C++, au pire. Vu la petitesse du projet pour l'instant, en C, ça sera suffisant, mais j'ai peur que ça devienne un peu une usine à gaz en C. Avec pas mal de problématiques sur le traitement de signal. Parce que le but, c'est qu'il va falloir aussi faire du traitement de signal. Et alors c'est pas un serveur astérisque Fiat Minimis. Le problème du serveur astérisque en fait c'est qu'il travaille avec des téléphones qui font de la numérotation. Moi j'ai pas de numérotation en ADA. Non, le DID, je ne ferai pas d'ADA ou de ADA. Mais je sais pas trop là. Franchement, faut voir. Et merci pour le follow Thibaut. Donc on verra après comment ça se passe. Mais franchement pour la techno à voir après quoi. Les vacances étaient reposantes, 2 semaines, donc ouais, bien déconnecté, pas touché un PC quasiment 2 semaines, ça faisait un peu de bien. Après, on va dire sur les 2 semaines, il y en a une qui était reposante et l'autre un peu moins, mais bon. En tout cas, la semaine dernière était vraiment bien. Donc une petite balade, comme j'avais dit, je crois, en sud-ouest de la France, c'était sympa. On a visité plein de trucs, c'était cool. Bref, donc voilà, donc là pour l'instant le serveur a priori c'est laquelle où tu étais seul? La semaine où j'étais seul, c'était la première. Oui c'est ça. Non c'était pas la première, c'était celle où non. La semaine où j'étais seul c'était la semaine avant mes vraies vacances, où du coup c'était la famille qui était en vadrouille. Donc j'étais seul à la maison. C'était là, du coup il y a 2 semaines, un truc comme ça. Il y a 2 3 semaines pour être précis. Je sais plus exactement, mais en gros c'était ça. Ouais. Et j'étais seul, et là cette semaine, a priori, je suis encore un petit peu seul jusqu'à vendredi. Parce que les gamins sont toujours en vacances, et télétravail et gamins à la maison, c'est pas très compatible. Bref, donc on va coder. Et l'idée c'est de voir un petit peu comment on va pouvoir bosser le serveur. Donc comme d'habitude, hein, on va faire un petit peu de dessin avant,
savoir vers où on va, quel techno utiliser. Je sais pas encore, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, sur quoi je vais partir. Et on verra ça par la suite. Pouf. Il faut que j'organise 2-3 trucs là. Ça fait 2 semaines que j'ai pas streamé. C'est tout rouillé. C'est pas grave. Ça va revenir, c'est comme le vélo. Ok. Et on va pouvoir faire du dessin maintenant. Boum. Donc, pour le dessin, donc l'idée, globalement, hein, c'est assez simple. Après, c'est la réalisation qui est un peu plus compliquée. Donc, on a notre super interphone sans fil. Donc, vous mettez un petit téléphone. Admirer mes super dessins. Puis en plus, ta tablette n'est jamais droite, c'est toujours une galère. Passons. Donc, bref, on a le petit téléphone sans fil qui est ici, là, avec son truc rotatif. Paf. Voilà, donc je schématise au max, hein, avec une petite antenne qui est connectée donc en Wi-Fi. Tac, tac. Qui va donc être connecté en Wi-Fi. On dirait une tête avec un truc ouvert, bon, passons. Donc, qui est connecté en Wi-Fi ici sur un serveur, donc a priori une box pour l'instant, on va dire que c'est notre serveur. On ne sait pas encore vraiment comment il sera fait, mais bon, le principal c'est de l'avoir. Et donc, on a dedans ici un ESP32 et on fait une liaison entre le téléphone et le serveur. Bien sûr, vu que c'est un interphone, on a un deuxième téléphone du même genre qui est à disposition pas très loin. Hop. On va essayer de faire ça à peu près. Allez, si je le fais en 3D, youpi, c'est parti. Pour ce que ça vaut, hein, parce que mes qualités de dessinateur sont absolument horribles. Bref, donc on a le second téléphone qui va lui aussi être connecté, en gros, hop, ce serait mieux comme ça. Donc il va être connecté aussi sur ce serveur. Et donc il y a un software qui tourne là-dessus, qui gère notamment... Ouais, un canapé. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Attends, bouge pas. C'est quoi? On peut se faire suer. Je sais pas si je peux faire du copier-coller là-dessus. Ça serait cool, mais... Je pense pas. Je pense que c'est que pour effacer. Bon, hein, du coup... On va essayer de faire ça plus sympa alors. Parce que si ça ressemble à un canapé, ça devient un peu ennuyeux, on va dire. Après, c'est vrai que ça ressemble à un canapé. Tac. Chose que j'ai pas fait ici. Pouf. Bon, on va pas chipoter sur le dessin quand même. Vous avez compris, c'est un téléphone reconverti en interphone sans fil. Hein. On va pas se. Voilà. Hein. Un petit cochon tout mignon, ouais aussi. Un champignon à trous. Bon. On va préciser ce que c'est, hein, histoire de qu'il n'y ait pas de confusion sur le stream. Donc ça, c'est un téléphone qui est relié en Wi-Fi, hein, tout bêtement. Et donc ici, sur ce serveur, on va donc devoir développer un truc qui s'appelle globalement un serveur VoIP. Alors à chaque fois qu'on parle de serveur VoIP, tout le monde pense à Asterisk ou autre. Mais en fait, c'est juste de la voix sur IP. C'est exactement ce qu'on fait en fait dans ce système-là, sans la partie dialing. Donc il y a pas de, on dit pas au niveau du premier téléphone appelle le premier téléphone après le deuxième appelle le deuxième pardon, le deuxième appelle le premier. C'est le premier qui décroche qui va prendre la ligne. Et donc ici au niveau de notre serveur VoIP, eh bien c'est lui qui va tout simplement faire la commutation en fait. C'est lui qui va récupérer les données qui arrivent de l'un par exemple, si un a décroché, qui va l'envoyer à l'autre et réciproquement. Donc vu que c'est une communication bidirectionnelle qui va être établie, on va pouvoir. Mais après on peut très bien envisager d'avoir trois téléphones, hein, qui peuvent communiquer ensemble et on fait le mix avec les deux. Ça c'est une autre histoire, pour l'instant c'est pas l'objectif. Mais bon. Enfin bon, donc là pour l'instant c'est vraiment ça ce que fait le téléphone VoIP, c'est qu'il va détecter quand un téléphone déclenche un appel, donc la partie sonnerie si vous préférez, et ensuite eh bien il va venir mettre en relation les deux combinés avec le micro de l'un qui renvoie un signal sur le serveur et qui va ensuite envoyer à l'autre qui sera rejoué sur le haut-parleur pour faire simple. C'est plus PCM to UDP que VoIP. Alors attends, c'est plus PCM ou UDP que VoIP que tu vas faire. Ouais, c'est plus ça en fait. Hein. C'est du PCM vers UDP, enfin même du TCP à l'heure actuelle. Franchement, j'ai testé les débits, c'est largement suffisant. On pourrait faire que de l'UDP si on voulait. Après, ça serait pas vraiment différent. Il y a juste un truc que j'ai développé et qui était nécessaire, c'était le composant pour la bibliothèque, enfin pour le système qui a été développé par Expressif pour la partie communication qui gère les connexions TCP,
qui n'est pas capable de faire du duplex, en fait, du full duplex, ce qui est un peu dommage. Donc c'est soit tu crées une connexion pour envoyer, soit une connexion pour recevoir. Et donc j'ai dû faire une implémentation qui gère les deux. Et ça, je l'ai fait que pour TCP, il faudrait que je la refasse sur UDP si je passais sur UDP. Mais voilà, donc grosso modo, c'est ce système-là. Donc le serveur VoIP, qu'est-ce qu'il va avoir comme tâche? Mais il va gérer en fait je sais pas comment on dit, les interconnexions, typiquement, ou le transport de la voix, si vous préférez. Donc tout ce qui est transport audio, en fait, donc les données audio qui sont envoyées. Mais en plus de ça, il va falloir qu'on fasse du DSP. Parce que comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai fait le point, je crois, sur le projet dernièrement, il y a quelques parasites qui apparaissent au niveau du micro, vu que le signal du haut-parleur passe par un fil qui côtoie les fils du micro. Alors sur un téléphone normal, ça pose pas de souci, parce qu'on est sur des tensions qui sont assez élevées sur la partie micro et haut-parleur, de ce que j'ai compris. Enfin, assez élevées. Plus élevées en tout cas que celles que j'utilise. Et avec des systèmes de suppression qui sont déjà intégrés dans la partie électronique. Là encore, je suis pas expert dans la conception des vieux téléphones, mais bon, grosso modo, ça apparaissait un peu moins. Et ensuite, eh bien, c'est tout simplement donc. Ça produit des parasites qu'il va falloir retirer. Donc l'idéal, ça serait de faire du traitement de signal, donc du Digital Signal Processing, DSP, pour améliorer le signal qu'on reçoit du micro et faire en sorte que le signal qu'on envoie sur le haut-parleur, eh bien, soit un peu meilleur. Donc, est-ce que j'ai déjà fait du DSP? Alors, oui, j'en ai fait un peu, mais c'est là où le bât blesse, en fait, c'est que je suis vraiment rouillé sur le DSP. Merci pour ton resub, Cucrapoc. Du coup, DSP, je suis rouillé, c'est pour ça que c'est un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, on pourrait très bien faire le transfert de voix tel quel, mais je vais vous montrer ce qu'on récupère comme signal à l'aide du téléphone que j'ai sous la main. On va faire une capture en brut, on va l'ouvrir avec Audacity, etc. Vous allez voir un petit peu ce qui sort du micro quand on fait cette manipulation-là. Et on va pouvoir juger du moins de la qualité de l'enregistrement et surtout on va voir comment on peut l'améliorer. Donc c'est un petit peu le gros challenge de ce projet de serveur VoIP, c'est qu'il va falloir non seulement faire les interconnexions, c'est-à-dire gérer la communication ici, ou si vous préférez ici, la connexion entre les deux téléphones et en même temps faire du traitement de signal dans les deux sens pour pouvoir améliorer en tout cas améliorer le signal audio. J'ai joué avec le DSP du Minitel. Non, j'ai pas joué avec le DSP du Minitel. Non, non. Le seul DSP pour l'instant que j'ai fait, je crois que c'était avec du GNU Radio sur des cartes audio. Donc c'est très limité pour l'instant. Après, sincèrement, je vais pas faire du DSP de folie. Hein. C'est simplement faire de l'amplification audio en amplification numérique. On va aussi certainement faire du filtrage avec un feed pass bas ou ce genre de choses, histoire de gérer le truc. Ouais, je vais le faire côté serveur Pimento parce qu'en fait, au niveau SP32, je suis un petit peu rigrac déjà sur le CPU avec toute la partie. Alors, je crois qu'il y a des filtres que je peux quand même chaîner en SP32. Peut-être un low pass filter à vérifier. Soit le DSP, on va l'intégrer directement dans mon téléphone, soit on l'intégrera au niveau serveur. Après, je me disais que ça pourrait être intéressant de faire ça au niveau serveur aussi parce que de toute manière, sur le téléphone, on fait une conversion. C'est un ADC en fait qui est vraiment utilisé pour le signal, donc que ça soit faux au niveau téléphone ou au niveau serveur, grosso modo, ça revient strictement au même. Donc pour faire simple, hein, enfin pour faire simple, ça fait 4 fois que je dis ça, mais grosso modo ici, dans le combiné, on a un petit micro qui est présent ici. Et ce que fait le SP32 qui se trouve là-dedans, là ça c'est notre ESP, donc le microcontrôleur qui permet de faire toute la communication après via Wi-Fi, c'est juste que la liaison entre le micro et l'ESP, c'est via un ADC, c'est-à-dire une conversion d'énergie numérique. Autrement dit, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sample juste à une vitesse donnée des échantillons, et ces échantillons sont envoyés directement au serveur. Donc que l'on fasse le filtrage dans le SP32 ou dans le serveur, ça revient strictement au même. Parce que de toute manière, on travaille toujours sur les mêmes types d'échantillons, sur les mêmes valeurs numériques. Donc, à la limite, vu que le serveur a plus de patates, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire au niveau serveur. Voilà, ça, c'était clairement la réflexion que j'avais eue sur cet aspect-là. C'est pour ça que ça m'intéressait de le faire sur le serveur. Maintenant, on va voir quoi, si ça marche ou pas. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je propose de faire, vu qu'on est en train de voir un petit peu ça, on va déjà, un, regarder l'état du signal, voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on capte du micro quand je parle normalement dans le micro, et juste faire un enregistrement dans un fichier avec les samples qui ont été reçus. Donc, on va juste travailler sur les samples bruts qui sont envoyés par le. Comment dire? Par l'interphone, enfin le téléphone.
Et on va faire ça en Python, tout simplement, parce que c'est plus simple à faire. Ça permettra déjà de faire une acquisition simple de data brute. On pourrait très bien même faire ça avec Netcat, hein, si on veut. Donc l'idée, c'est de faire une acquisition. Je vais même faire ça avec Netcat, ce sera plus simple. Acquisition d'un sample. Donc là, l'idée, c'est juste on va récupérer un échantillon de voix pour voir un petit peu l'allure du signal, comment est codé le signal, et ensuite comment on va pouvoir potentiellement l'améliorer. Et une fois qu'on aura une bonne idée de ce qu'il faut faire comme traitement, à mon avis, il y aura de l'amplification et un peu de nettoyage avec du filtrage. On verra un petit peu comment ça se passe. Et on pourra démarrer l'implémentation. Donc l'implémentation, pour moi, c'est déjà c'est juste le début d'implémentation du serveur. Donc c'est simplement bosser sur un premier POC de serveur. On n'est pas sur le code final encore une fois, on travaille sur le plus du prototypage encore à l'heure actuelle. Donc on va implémenter un POC de serveur VoIP en fait, hein, simplement ici. Voir un petit peu comment ça peut traiter. Ça veut dire dans ce truc-là, commencer un début de protocole très simple. Donc on parlera plus Enfin oui, c'est un protocole, hein, c'est simple. Protocole et puis le codage des frames notamment. Comment on va faire pour pouvoir dire je suis en train de passer un appel, qui initie la communication, etc. Et puis ensuite, on verra, une fois qu'on aura ce protocole qui sera établi, on va le déporter à la fois sur le SP et sur le serveur. On verra un petit peu comment gérer tout ça. Et puis ensuite, ben, on va faire donc, la partie communication, donc le fait de pouvoir communication. Et à mon avis, il vaut mieux bosser le DSP avant. Donc on va faire DSP avant. Et une fois qu'on a le protocole et le DSP, après il n'y a plus qu'à connecter les serveurs entre eux et faire l'intercommunication et voir un petit peu comment ça se comporte. Intercom. Bonsoir Totof. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Sachant qu'au niveau traitement de signal, c'est un peu le gros point noir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc implémenter des feeds passe-bas par exemple en C, c'est pas un truc que j'ai fait très souvent. Donc va falloir que je me documente, mais bon, on est là pour apprendre, paraît-il. Donc l'idée ça va être justement de démarrer une implémentation de ce truc-là en C, quoi. Donc en C ou C++. Alors je me disais au début, allez, on va faire ça en Rust, mais je connais tellement pas Rust que c'est pas la peine, ça va pas être viable. Donc C pour moi c'est une bonne. C'est une. À mon avis, pour un premier jeu en tout cas en POC, quitte à le passer en C++ par après, c'est un truc qui est plus facile à implémenter. Et puis ça restera dans la même thématique, on va dire, que ce qu'on a fait sur le SP. Ah, c'est la rentrée des streams. Ouais, la rentrée des streams, et ben, il y en aura encore d'autres. Hein. Bon, et ben c'est pas mal ça. Et si on essayait de se refaire une petite acquisition de signal voix avec ce super truc qu'est notre interphone. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai l'interphone donc sur le bureau. Je vais l'allumer, je vous montre un petit peu comment ça se passe en parallèle sur mon écran. Puis voilà. Donc là, ce que je vais faire tout bêtement, c'est déjà vérifier qu'il est bien reconnu au niveau USB. Et donc pour ça, j'utilise assez simplement ici un petit appel à DMSG, donc qui permet de détecter quand il y a des périphériques USB qui sont alimentés. Donc là, bon, il y a une caméra qui fait des siennes, mais c'est pas grave. Et là, je suis en train de l'allumer. Paf, il apparaît bien. Silicon Labs, on a bien un UART qui apparaît. Ça, c'est typique du connecteur pour la programmation de l'ESP32, et ça, c'est très bien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a un système, pardon, ici, qui a déjà été implémenté, avec un firmware qui était prêt à l'emploi, sur lequel le service fonctionne, hein, il arrive déjà à se connecter sur ma machine. Donc je crois que l'adresse IP a été mise en dur. Je vérifie à côté, attendez, bougez pas que j'ai pas mis n'importe quoi, mais il me semble que normalement c'est bon. Alors, projet interphone, passo. Le SDK config. Ouais, c'est ça. Donc, 1.41, normalement c'est moi. Je vérifie juste les paramétrages IP, c'est good. Et il est censé se connecter sur le port 8080. Ok, bon, on a toutes les informations sous les coudes, ça devrait aller. Salut Lixi, on est tombé. Alors, j'avais pas vu l'évolution, on est tombé dans l'overkill. Bah, écoute, Yonner, si toi tu penses que c'est un peu overkill, ouais, pourquoi pas. Après, alors la TWedge V3 avec le micro intégré, tu peux l'intégrer dans ce système. Il y a un haut-parleur dans la TWedge V3? Ah, ça pourrait être ouf. Mais ouais, carrément, ouais. Ça pourrait être possible. Attends, ah, quoique non, TWedge V3, on va le limiter, c'est un ESP32 classique, là c'est un ESP avec plein de trucs à côté. Je sais pas si c'est faisable avec TWedge V3, faudrait voir.
Si un micro. Et ouais, pour revenir sur l'évolution, Yoneur, bah, il y a eu un peu d'évolution sur le truc. On a changé un peu la carte qui était dedans. Mais c'est. Alors, Overkill, oui et non. Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui fait le taf, en fait. Après. Comment dire? Ouais, alors là, bien sûr, on voit le. On voit le truc, mais on va remettre ça par-dessus après. Mais Overkill, oui, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est qu'après, je peux pousser le projet encore plus loin. Je peux faire un truc encore plus sympa, avec plus d'interphones, plus de trucs. Sachant que je déporte tout le traitement lourd sur le serveur, ça me permettra d'être. Voilà. La carte Lyra est pas mal, ouais. Mais après, j'ai dû pas mal la bidouiller pour arriver à faire ce que je veux. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai des petites interférences et des trucs qui sont pas parfaits niveau signal, enfin, niveau de l'audio. Mais après, le vieux téléphone n'était pas parfait non plus, et je pense que ça fera le taf. On va faire un test d'acquisition là juste tout de suite, une fois que j'aurai démarré ma carte, et puis on verra un petit peu comment ça se comporte sur le signal qui est récupéré. On en profitera pour voir si tout est bien codé au niveau du firmware et si l'encodage du signal est bon. Et après ça, normalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est eh bien commencer à dev. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, je suis d'accord, c'est un peu overkill d'avoir mis ça là-dedans, mais ça permet d'ouvrir pas mal de possibilités par la suite, sachant que je dois encore faire le système de sonnerie dedans. J'ai rajouté le détecteur ici de décrochage que j'ai pas encore programmé. Bref. Alors non, c'est pas. En fait, c'est pas pour dire aux enfants de venir manger. L'idée, c'est surtout. C'est pas ficelle et pot de yaourt, ouais, c'est plutôt ça. L'idée, c'est surtout bah, de reprendre ces vieux trucs et d'en faire un truc cool avec. Donc, effectivement, c'est un peu overkill sur la partie technique, mais après, on peut imaginer plus de choses. Enfin, t'imagines là qu'on peut intégrer aussi le cadran rotatif et puis appeler des numéros d'intercom qui sont dans la maison. J'en mets 2, 3, 4, 5, je m'en fous, c'est le serveur qui gère. J'ai des problèmes au niveau traitement de signal. La board qui est dedans est trop légère, c'est pas grave. On fait le traitement directement côté serveur et on pallie un petit peu à l'arrache l'absence de traitement de signal qui est fait. Un dans chaque hackerspace et compagnie, bah ça c'est clairement faisable, Yonner. On peut très bien le faire communiquer over internet, ça serait ouf. Genre j'en fais un troisième et je te l'envoie. Faudrait pas qu'il y ait trop de décalage horaire après, parce que ça va être un petit peu galère par la suite, mais si, si, c'est tout à fait possible. Après, c'est juste un. Ah bah, chiche, ouais, totalement. Parce qu'après, le serveur, on le met à tourner sur Internet. Bon, par contre, niveau sécu, c'est zéro, hein, qu'on se le dise. Quelqu'un arrive, chope la communication, il n'y a pas d'authentification, il n'y a rien. Donc voilà. Donc, un sur chacun des deux tables de nuit du deep parental. Tu vas le mettre en open source? Ouais, absolument. T'as plein de téléphones à cadran récupérés. Moi, j'ai eu un peu de mal à en trouver, mais là, ça va certainement être plus facile vu que les vide-greniers vont reprendre. Enfin, quoique. On peut espérer que ça reprenne. Sinon, le bon coin, ça va être pas mal aussi. Hein. Mais ouais, si, si, ça sera open source. Alors, le problème, c'est comme tout projet DIY, en fait, c'est la documentation qui pêche. Et ceux qui gèrent des hackerspaces le savent bien. Si un mec arrive à entrer, c'est super. Non, mais carrément. Après, si un mec se tape la conversation avec nous, c'est cool. Franchement, après, il faudrait pas qu'ils viennent nous pourrir le truc, mais. Ouais, là, ça a repris, justement, ouais. Après, pourquoi pas? Donc, l'idée, c'est justement d'avoir un truc à peu près stable. Et après, pour coder des serveurs comme ça, je sais m'y prendre. Grosso modo, le gros point noir pour moi, c'est la partie traitement de signal. Et c'est là où on va certainement avoir quelques petites surprises, pour faire simple. Bon, donc ça normalement c'est censé fonctionner et on est censé capturer de l'audio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon petit truc comme ceci. On va se mettre un petit truc en écoute sur le localhost. Oh, attends, on est sur la. En écoute, pardon, sur port 80 et 80. Alors ça va afficher plein de trucs pas terribles, mais c'est normal. Ouais, le fameux wiki, Yoner, ouais, exactement. C'était exactement ça que je pensais. Là, je suis en train d'allumer le truc. Le truc, c'est je sais pas si j'ai reprogrammé le machin qui va bien. Attendez. Hop. Donc là, normalement, il écoute sur tous les ports. On va se prendre un petit screen en parallèle ici sur le port dev TTY USB 0 en 115-200 du coup. Canot exec sans. Oh, oui, mais c'est parce que j'ai mis -p, je me croyais où, moi. Screen. Bah, screen, non. Mais comme quoi. Hein.
BFTTY. Ouais, faut que je l'allume avant. Oui, je suis bête. USB 0, 115, 200. Ok. Donc là, a priori, ça marche pas plus que ça. Bon, il n'y a rien qui marche, il se connecte pas, donc je sais pas si je l'ai pas bien programmé. Bon, on va faire la programmation au passage. Hop, donc on retourne ici. Non, ici. On va faire un mec flash. Yes, cool. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Ah bah c'est un IDF. Oh, punaise. C'est normal. Parce que je suis un boulet, j'ai pas chargé les trucs qu'il fallait. Bon, on y retourne. On va se prendre ici dans OPT, SPIDF, export.sh. Ok, IDF.py build. Ça doit marcher. Bon, je vous mets en plein écran, vous voyez un petit peu le build. Donc là, c'est vraiment la toute dernière version que j'avais faite du binaire. Ok, ça fonctionne. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un flash en lui précisant le port. Donc, DFTTY USB 0 flash monitor. Donc là, ça va flasher et monitorer la sortie de debug de la board. Et ça, normalement, c'est censé se connecter chez moi. Donc là, du coup, il va falloir que j'ai mon serveur qui est en écoute ici sur le port 8080. Toutes les interfaces. Donc le truc démarre, il essaie de se connecter au réseau Wi-Fi. Hop, et a priori là il est connecté. Voilà. Donc là on voit la data brute en fait qui passe, qui est issue du micro. Alors bien sûr ici typiquement il y a plein de données non affichables, mais si je souffle dedans on devrait voir des trucs qui varient. Ou presque. Voilà, donc l'idée ça va être de sauvegarder ça dans un fichier brut. Donc on va mettre ça dans un petit fichier qu'on va appeler capture.. RAW. Et je vais parler dans le micro et voir un petit peu ce qui peut être fait quoi. Donc le seul truc qu'il va falloir faire, c'est être sûr qu'on est bien connecté. Donc là, du coup, il a arrêté de travailler, ce qui est tout à fait normal. On va refaire un monitor et je vais essayer de faire ça comme ça. Hop. Donc là, on fait un reset. Ok, merci. C'était ça. Hop, on fait un monitor. Ça va restart en fait le truc. Donc là, il se connecte chez moi. Ok, bon, normalement il doit être connecté. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu dedans. Ceci est un test. Juste un test. Ok. Hop, on stocke, on vérifie la taille du fichier. On a récupéré 964 kilooctets de trucs là. Donc maintenant, on va pouvoir tester, voir si ça donne le résultat. Tu échantillonnes à 4 fréquences, je suis à 44 kilos en échantillonnage. En fait, techniquement, ça va être du 22K parce qu'il doit. Non, c'est du 44K, je dis bêtise. Enfin, c'est dans le code de toute manière, tu l'as ici. Dans ce truc-là, normalement, la vitesse d'échantillonnage, elle est en 44 100. Et il fait du resampling, normalement. Donc là, normalement, c'est vraiment censé être ça. Alors, j'ai trouvé une bonne implantation de FeedFire que j'utilise avec succès sur STM32 F4. Ah, cool, attends, je garde ça sous le coude. Ça servira pour la suite. Circular buffer, ok. Bon, ça a l'air sympa, hein, ton système. Le système FIR, alors la fréquence source est à 1 MHz, on reçoit 16 bits à 64K, et le cutoff, il est à 8 kg. Ok. Après, je sais pas du coup si c'est vraiment configurable ou si c'est un filtre qui est prêt à l'emploi tel quel, quoi. Ouais, va falloir voir si c'est adaptable sur la fréquence qui va bien, mais bon. Bon, on verra ça après, vous inquiétez pas. Salut Sebelair, tu peux régénérer les tabs pour les cutoffs. Ok, bah après, ouais, je sais pas si je vais faire du FIR. On peut faire un low pass filter à la noix déjà en implémentation basique. Il y en a quelques-uns qui existent. Il y a un Python qui vient de régénérer, bah, on verra ça. C'est des feeds faits avec SciPy. Ah bah cool, on va tester ça. Là pour l'instant, j'ai juste fait une capture. J'ai capturé mon fichier brut et on va le charger avec Audacity du coup, histoire de vérifier un petit peu la tête qu'il a. Alors, il me dit que c'est un fichier brut et que du coup il est pas content. Oui.
Ouais, en fait, faut que je lance Audacity à part. Hop, on va lancer Audacity. Donc, Audacity, on fait un fichier, importer, données brutes. Là, on vient chercher donc le truc que j'ai créé qui doit être ici normalement. Qu'est-ce que c'était ce truc-là? J'avais appelé ça capture, je crois. Capture.raw. Et il faut lui donner les caractéristiques du fichier. Donc, normalement, ici, je suis sur du signed 16 bits. Mode petit boutisme, il me semble. Et c'est du mono de mémoire. Alors, je vais mettre du stéréo parce que j'ai un vieux doute. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Là, je mets de la forme d'onde. Vous voyez, en fait, c'est très parasité comme signal. Et quand je parle, on voit vraiment. Ça devait être par ici, mais mon avis, c'est que j'ai pas dû prendre le bon. Les bons paramètres, bougez pas. Importer données brutes. C'était la capture.raw. Alors, je suis censé être en flottant ou en entier ici? Attends, je vais vérifier dans mon. Dans mon, la config ADC ici où que j'avais mis, je sais même plus, c'est un truc de dingue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à ce code-là que je ne sais plus ce que j'ai mis. Là, je suis en 44 100. Et il me semble que c'est des échantillons 16 bits hein, qui sont mis ici, donc c'est du 16 bits. Est-ce que c'est des flottants? Ça se pourrait bien que ce soit des flottants. Alors je vais mettre du float 32 en petit boutiste. Je mets ça sur deux canaux. Oh, ça fait de la merde ça. Bon, c'est pas du flottant. Déjà, ça règle le problème. Hop, je fais n'importe quoi. Ça ne va plus du tout. Donc on retourne. Capture. Donc c'est du signed 16. Ça, c'est sûr. Il me semble que c'est du Little Endian par défaut. Ça serait du mono. Ah, c'est mieux. Ouais, ça va être ça. C'est des petits boutistes. Ça fait bizarre de voir traduit, c'est mignon. Ouais. Bah oui, le petit boutiste et le grand boutiste. Little Endian, Big Endian. Et là, normalement, la forme d'onde, elle devait être un petit peu mieux. Ou pas, d'ailleurs. Parce que là, je t'en. Truc. On voit clairement, en tout cas, qu'il y a des trucs, mais on a un bruit de fond hein, qui est vraiment chiant ici et qu'il va falloir essayer de régler. Alors, j'essaie de lire ça sur la sortie audio standard. On va voir si ça vous donne quelque chose. Alors là, vous n'allez pas l'entendre si je fais une lecture, mais moi, c'est juste pour vérifier que c'est bien le bon truc. Ok, alors j'ai pas tout le signal, j'ai juste le décrochage qui apparaît. Vous l'entendez? Ah ouais, tiens, c'est étonnant ça. Attends, je vérifie juste que Audacity est. Bah, si vous l'entendez, c'est parfait. Ah bah oui, il est envoyé sur stream, parfait. Par contre, c'est un peu fort, non? Ah, mais si, si, on entend mal? Ouais, mais si, si, ouais. Bah là, il y a juste du souffle en fait, il n'y a pas eu de. J'ai pas enregistré le signal complet, hein. Je pense qu'il a pas dû être transmis en réel, mais ça c'était deux clics, trois clics qui sont apparus. Et c'est pas cool. Bon, après, le fait qu'il y ait un ch derrière, c'est plutôt bon signe, parce que si j'avais mal interprété le fichier, du coup, alors, si on essaie juste de lire ça, ça donne quoi? Bon, il y a un lag dans le son en plus. Vous entendez une voix? Mais j'entends rien du tout, moi. J'entends pas de voix. Vous entendez une voix. Ok. Un poil de voix. Attendez, c'est juste que moi, le feedback ici, il n'est pas ouf. J'ai peur de vous mettre trop fort dans les oreilles, en fait. Alors, pas sur ce tronçon. Donc, du coup. Ah oui, donc ça, c'était celui-là, du coup, sur ce tronçon-là. Ah, yes, ouais. Ouais, mais c'est pas mal parasité, hein. Après, ouais, il va falloir denoise. Parce que du coup, en plus, voilà, enfin, typiquement, vous voyez, le son du micro est pas oufissime. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer? On peut tester ici déjà en faisant deux, trois petits effets sur rien qu'une amplification, déjà, ça serait pas mal. Je crois qu'il va péter un câble si je fais aller en saturation. Est-ce que. Si j'amplifie comme ceci, déjà ça donne quoi? Oula, je retire mon casque. Passer de 5 dB à 25 dB. J'ai pas entendu beaucoup de différence moi de mon côté. Alors, je vérifie juste que j'en vois pas trop sur le.
Non, c'est capé. Bah ouais. En tout cas, ça va pas être de la tarte. Hein, Et encore, j'ai parlé vraiment au niveau de. Bah, il n'y a pas eu trop de diff parce que j'ai pas. Je crois que j'ai pas fait de. Alors déjà, il faudrait faire un. Parce que l'amplification, là, si j'autorise la saturation, par rapport au gros pic qu'on a ici, en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Là, je suis beaucoup trop amplifié. Si on essaie d'amplifier, alors on aura le bruit de fond qui va être amplifié aussi, hein, forcément. Bon, c'était trop. Là, j'étais à 7, je crois. On va essayer d'amplification à 5. Ça va être un petit peu mieux. Attention les oreilles. Je vais réduire de l'autre côté. J'arrête si je vois que ça dépasse le. Le son est vraiment pourrave. Hein. C'est-à-dire que on a vraiment ce bruit de fond qui est super embêtant. On va faire je sais pas si je peux faire une réduction de bruit. A priori, oui. Si je prends le profil du bruit. Prendre le profil du bruit. Tac. Où est-ce que t'es passé, toi, certains des trucs? Bah, on distingue mieux, mais c'est pas parfait, quoi. Après, j'avais fait des tests avec des filtres passe-bas de mémoire. Donc avec du filtrage principalement. Alors, parce que le problème de réduction de bruit, c'est qu'on est quand même sur un. Zut, c'était où? Parce qu'après, on a des filtres. Je cherche un low pass filter de base. Frequency, je sais pas du tout. Alors, ça va être dur à implémenter après, c'est-à-dire. C'est un truc magique. Ouais, mais c'est ça. Après, le low pass filter, on peut faire en pré-écoute. Là, j'ai mis à 600 Hz, mais je sais plus. La fréquence vocale, c'est de combien à combien? Fréquence voix. La fréquence de la voix humaine. Ils me disent ici que c'est du entre 100 et 150 Hz. Ouais, donc 600. Alors, chez les femmes, la fréquence est plus élevée, entre 200 et 300. Et la voix d'un enfant, jusqu'à 300 à 450, ouais. Ouais, t'appliques pas de filtre au niveau micro. Non, pas pour l'instant, Cucrapoc. Bah, avec le low pass filter, on a un bruit qui est parti, ouais. Après, c'est juste. Je peux essayer de le réduire. Hein. Là, typiquement, 500, c'est. Merde, j'ai dû appliquer. Mais ça fait étouffer, en fait, comme son. 200 à 450, au calme. Ouais, complètement, ouais. Mais là, typiquement, tu vois, même si je. Si j'applique le filtre et bah du coup ça réduit pas mal le bruit hein, parce que le bruit est situé des fréquences un peu au-dessus de ce que j'ai compris et sur la partie amplification mais là même si j'amplifie encore je vais juste faire un peu trop on va savoir ça risque de saturer on entend vraiment un son qui est pas terrible hein. Un passe-bande si je peux être un passe-bande bien sûr de 100 à 450 attends, hop, si on fait un passe-bande alors un band pass filter du coup. Est-ce que je peux refaire amplification? Parce que là, du coup, je suis à quoi? Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Les composants aigus seront coupés, tu auras l'association d'étouffement. Ouais, bah c'est. Oui. Mais après, le passe-bas, justement, c'est un peu son problème, ouais. Ce qui m'emmerde, c'est que j'arrive pas à virer le bruit de fond, en fait. Parce que là, c'est vraiment les samples peut-être que je les reçois sur le PC. Et c'est tel que c'est capté par le micro. Parce qu'on a fait des tests, comment vous dire? On a fait des tests tout simplement en utilisant le micro qui était intégré à la Lyra T-Mini, mais pas avec tout ça en plus, quoi. Et là, en plus, on a un beau petit fil enroulé qui est parfait, quoi, je veux dire. Sachant que les câbles après sont dedans, et le câble du haut-parleur qui est ici et du micro ici, eh bien, passe tout proche. Donc ça, c'est pour la partie fun. Mais du squelch, ça sert à ça. Oui, après, je mets du squelch avec détection de niveau de base, mais le squelch, ça permettra juste de. Typiquement, le squelch, c'est un seuillage que tu mets et ça permet de garder que ce qui est au-dessus d'un certain son. Enfin, un niveau sonore, de ce que je me souviens. Donc, parce que là, on amplifie aussi le bruit en fait, dans l'idée. Donc, idéalement, avant d'amplifier, il faudrait dénoiser ou. Donc, on avait dit des greffons, chercher un band pass filter. Spectral edit. Vocal remover, ouais, c'est pas terrible. Hein. Après, limite, faudrait le mettre en place.
Ouais, ça dégagera le noise. Quand tu parles pas, ça dégagera le noise et ça dégagera, ça gardera. Ouais, je sais pas, y a pas de squash là-dessus, si. Normaliser, non. Après, le fond, amplification, auto deck. Bah oui, c'est mieux de filtrer avant d'amplifier, ça évite d'amplifier les parasites. Donc là, typiquement, si on fait un low pass maintenant, sans faire d'amplification. Ça réduit pas mal. Et si maintenant j'applique l'ampli en mettant une ampli, peut-être pas 12 quand même, ça fait un peu beaucoup. L'amplification 7, 8. Bah, le truc c'est bien articulé, ouais, c'est sûr. Mais bah je vais refaire un. Au pire, je peux faire une capture avec le micro vraiment au plus près. Ça se trouve, c'est juste que c'est pas. Ça peut venir du micro qui a été choisi aussi, hein, qui est pas compatible avec la carte. Ça fait qu'il ait une résistance ou je sais pas quoi, une résistance USR ou autre, qui soit pas correct. On va refaire une capture et on va recharger ça dans Audacity, voir si ça change. Je vais refaire une capture ici. Hop. On va se faire ça avec une capture 2. Hop. Donc là, il en écoute. Celui-ci, on va le reset. Voilà, on attend qu'il se connecte. Ok, apparemment, il est prêt. Donc là. En parlant près du micro, ça donne quoi? Hop, donc si je regarde vite fait la capture, on a bien 436K. On va importer ça comme on l'a fait précédemment. Hop, donc on va chercher la capture 2, qui est du RAW. Donc c'est du mono petit boutiste, même truc. Et on a. Alors par contre, oui. Ok, merci, c'est sympa. Hop, donc ici on a. Bon, je sais pas si on attend un petit peu mieux, on va tester, bougez pas. Oula. C'est pas terrible ce truc. Ok, alors la capture 2, c'est pas ouf. C'était quoi en vitesse? J'ai l'impression que ça allait super vite. Capture 2, c'est celle-ci. 4400, petit boutiste, mono. c'est pas bon sampling rate, c'est le même, figure-toi. C'est le. Je vais faire la capture hein, au besoin, mais. C'est le même sampling rate qui a été utilisé. Ok. Donc là, ensemble, on capture. Test, test. Ah non, c'était du 16 bits, ouais, c'est pour ça. Une 16 bits, oui, absolument. Du coup, fichier importé, données brutes, capture 2, mono, petit boutiste et sign 16 bits importé. Et là, c'est pas trop mal. On va écouter ce que ça donne. Ça va pas être ouf. Hein. Ok, cool. Ah là par contre j'ai rien entendu du tout. Hein. Alors peut-être que j'ai. Ah j'ai pas je suis parti du début, c'est ma faute. Alors, on entend encore très faiblement. C'est le film de 21h sur Canal+. Ouais, ça ressemble un petit peu, Pimento. Mais là typiquement tu vois le volume sonore, même sur la DC, il est vraiment minable quoi. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une amplification à faire au niveau électronique plutôt que de se faire suer à le faire au niveau software, je sais pas. Je peux faire une capture en parlant plus fort, mais bon, à mon avis, ça va être le même problème. L'autre solution, c'est de court-circuiter le loopback et voir ce que ça donne. Parce que c'est le loopback qui mettait le bazar.
Où es-tu? Parce qu'en fait, là, typiquement, on a une partie. Il y a deux pipelines, en fait. Il y a un pipeline TX et un pipeline RX. À la limite, je peux couper le pipeline de réception, parce que ça, on s'en fout, on n'a pas besoin. Et on peut essayer de garder que le pipeline d'émission, voir si ça change quelque chose. Et ça pourrait peut-être régler le problème. Donc, on va se faire ça. Hop, on va faire un petit build. Donc là, je vais juste faire la transmission et il va pas recevoir n'importe quoi. Parce que là, en grosso modo, ce qu'il fait, c'est que normalement, il est censé envoyer sur le haut-parleur le signal qui est reçu. Mais vu qu'il reçoit rien, ça envoie n'importe quoi. De ce que j'ai l'impression. Ce que je vais faire, c'est justement désactiver la partie RX. On va flasher avec cette version-là. Une ampli puis filtrage électronique plus du processing. Ouais, non, mais ça, c'est mon avis. L'ampli puis filtrage électronique, je vais pas avoir tellement le choix hein, de le faire. Mais ça veut dire aussi, faut que je refasse le. Faut que je hack la carte plus violemment que ce que j'ai fait jusque-là. Et sachant que c'est des petites résistances et condensateurs en 0,2. Non, c'est peut-être pas du 0,2,01 sur celui-là. Ça va être un 0,4,02. Il va falloir s'amuser avec du hack de précision. Et du coup, ça vient moins abordable, je trouve, par rapport au projet. Bref, passons. Alors, du coup, je vais pouvoir remettre une capture 3. Boum. Ensuite, on fait un monitor ici. Donc là, ça capture. On refait un petit test. On va parler tout près du micro, juste pour voir. Tac. Alors, est-ce que ça a marché, mon truc? Capture 3. J'ai 34 kilos. On va désactiver celui-là. On va couper celui-ci. Faire un fichier import. Données brutes. Maintenant, vous voyez comment ça marche. Un capture 3. Ça, SSB, petit boutiste. Pouf. Et ça, normalement, c'est mon sample audio. C'est pas oufissime. J'attends de voir ce que ça donne, mais. Ok. Pchut. Et c'est tout. Bon, bah, c'est parfait ça. On va peut-être en capturer un peu plus. On recommence. Hop. On se refait une phase de moniteur. Et. Test plus fort le test. Ouais, 770K, c'est un petit peu mieux quand même. Hein. On va pouvoir peut-être ressortir ça. Hop, capture 3. Sine 16 bits, monocanal, petit boutiste. Paf. Ah bah, là, on a un truc un peu plus sympa. A priori. Et non, non, je pense que 34K en size, bah, c'était un petit peu court. Mais il y a encore un problème d'ampli, quoi. Je veux dire, autant quand je prenais le microphone qui était intégré dans la carte, il n'y avait pas de souci, c'était net et précis en termes de son. Autant là, celui-là, c'est mort, quoi. Alors, à quoi c'est dû, peut-être je sais pas. Ah, bah oui. Oui, ça peut expliquer. Ouais. Alors, je viens de démonter le microphone. Et ce fil-là, c'est juste enlevé de ma main. Littéralement, ici. Je viens juste de se détacher du micro. Ça peut peut-être jouer, à votre avis. On va faire une petite soudure à l'arrache et puis remettre ça d'aplomb. Mais ça peut expliquer pourquoi ça marchait pas. Parce que de ce que je me souviens, il sert à rien le fil. Bah non, il sert à rien. Non, non, il sert à rien. C'est un truc totalement inutile. Il est orange, c'est pour le RX. Non, non, c'est pas pour le RX. Bon, bah du coup, faut que je fasse une petite soudure, sauf que c'était pas prévu. Et j'ai rien pour vous montrer ça. Donc je vais faire la soudure vite fait. On va mettre une petite page de pub en attendant et puis une petite pause. Et je reviens après la pause avec un truc qui marche mieux. On va refaire le test. Alors, il capte de son par rayonnement. Ouais, non, ça marche pas. Pas comme ça. Bref, bon, petite page de pub. Après, c'est galère d'acquisition. Je veux juste être sûr que le son que je récupère, c'est quand même un truc qui est travaillable. C'est un câble Wi-Fi, ouais, absolument. bah, je mets une petite pause, le temps de faire la soudure, sachant que j'ai soudé avec le fer USB, ça va être assez rapide.
Et on revient juste après. À toutes. Et de retour. Hop, comme ça c'est bon. Donc ça y est, on a fait la petite soudure qui allait bien. L'avantage des fers à ceux des USB. On va faire une capture avec ce truc là, et puis on va voir si ça marche mieux. J'espère qu'il va avoir un meilleur résultat. Si c'était vraiment ce câble là qui moisissait, ça peut expliquer. Ok, celui-là il est déco. Ok. Donc, on relance une capture. On se refait un coup de moniteur. Hello, QWERTY. Les vacances étaient bonnes, ouais, y'a chouchou. Test en parlant tout près du micro. Je fais des tests. Encore des tests. Toujours des tests. Ok, donc là, normalement, on devrait avoir 858K. En capture, c'est pas mal. On va importer les données brutes. Mono, sine 16 bits, petit boutiste. Ah, c'est pas un peu mieux là par hasard en parlant tout près du micro? Bon, attention les oreilles, parce que je pense que ça va péter un petit peu. Bon, c'est encore parasité, mais c'est quand même. Tout près du micro, ça passe bien. Hein. J'ai quoi comme fer USB? J'ai un Pine Sail de Pine 64. C'est le fil qui est mieux. Ouais, c'est sûr. Le fil, forcément, est mieux. Mais je pense que la studio n'est pas parfaite encore, hein. Mais le fil est mieux en tout cas, on distingue mieux. Là, j'ai pas eu d'amplification à faire ou quoi que ce soit. Hein. On est sur un truc qui était vraiment amplifié de base. Donc là, si je fais un low pass juste à la noix, juste pour vérifier avec les paramètres qu'on avait mis précédemment, ça me donne ça. Après, le son samplé est dégradé parce qu'on n'a pas une précision de folie. On a une précision de 12 bits sur l'ADC.
Donc ça fait que effectivement ça fait un petit grain qui est pas super net. Mais on va essayer de voir un petit peu si on peut. Bon là du coup j'amplifie encore hein, juste pour la forme. Voir un petit peu ce qu'on peut sortir avec une amplification plus. Alors ça va saturer, hein, je vous le dis de suite. C'est pour jeudi le hack du routeur. Oui, absolument, il est chouchou. Donc là, il y a une saturation, mais le son n'est pas totalement dégueulasse. Après, je sais pas si vous entendez plus fort que moi, parce que moi, j'ai réduit le fond sonore. Attendez, je vais basculer juste comment dire, en monitoring chez moi, histoire que je puisse comprendre un truc. Hop, on va passer ça. Je dois jouer avec le. Mettre ça sur mon casque, comme ça je pourrais contrôler vraiment la puissance de sortie et avoir une idée du niveau de sortie. Parce que là j'ai fait un test et c'était. Ah, c'est clair, c'est nickel. Franchement, c'est propre. Ça mérite une compression? Ouais, peut-être. Donc vous avez plus de son, c'est normal. Je voulais entendre ce que ça donnait vraiment sur le. Attendez, je remets le son, puis on va mettre de même niveau partout. Comme ça vous allez pouvoir suivre. Mais franchement, je suis. Il y a encore un peu de bruit de fond, mais c'est pas dérangeant plus que ça. Et niveau avec un squelch, comme disait Gégéva, ça va passer nickel. Si on applique le feed passe-bas sur l'ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne. Ok, donc là je suis sur le stream avec un niveau normal. Attention, ça va péter parce que du coup là je remonte à 10 dB. Enfin moins 10 dB sur la sortie du PC. Gaffe à vos écouteurs. Je sais pas si ça va. Si ça. Je vais réduire le volume de lecture ici pour être sûr. Mais ça donne ça pour l'instant. Voilà, donc on entend encore un petit chhh derrière, qui est pas totalement dégueulasse. Et ça c'est direct. Alors c'est la bouche collée au micro, pour être simple. On est vraiment sur la bouche collée au micro. Mais je me rends compte qu'en fait j'aurais dû peut-être approcher le micro sur le. Sur le truc 3D. Ah, punaise, c'est ça. Faut fort que je le surélève. Parce que le micro est vraiment loin. Alors, on va essayer avec le. Avec. Ouais, bah, du coup, c'est cool, là. Mais je vais essayer en mettant. Hop, en mettant le. Parce qu'en fait, là, j'ai parlé quasiment tout près de ce micro-là et que le micro. Donc, on a un son qui est vraiment nickel. Mais de toute façon, tu pousses ça sur un haut-parleur Hi-Fi. Donc, c'est bon aussi. Non, mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et à mon avis, il y aura une retouche de la pièce 3D. Parce que il y a trop de pertes d'espace et on se retrouve à 3 cm du micro. Si je pouvais mettre le micro juste en dessous ici, ça serait parfait. Donc en gros, on va refaire la pièce 3D pour surélever le micro et avoir un truc qui marche mieux. Donc là, ça sera une petite impression 3D à refaire. Et franchement, si c'est juste cette pièce-là que j'ai réimprimée, ça va être nickel. Hein. Mais à mon avis, il va falloir qu'on les revoie. Bon, l'avantage, c'est on peut facilement enlever les micros, les dessouder, les ressouder, donc c'est pas. Ça n'empêchera pas de refaire tout le truc. Mais en tout cas, je vais continuer sans le. On va faire un test avec, voir si ça change grand-chose. J'ai essayé sans le cache, là, c'est ce que j'ai fait, c'est sans le cache. Maintenant, je vais essayer avec le cache. Mais est-ce que vous avez là le sample que j'ai analysé là, c'est celui qui est sans le cache. Donc en fait, avec un petit DSP à la noix, ça marchera nickel. Sachant que là, j'ai désactivé en plus le canal de réception. Ce qui ne devrait pas poser de problème de toute manière, parce qu'on lui retourne rien pour l'instant. Mais j'ai pu observer des petits parasites dans ce truc-là. Enfin bon, on va essayer déjà sur le flux montant, c'est-à-dire de ce qui est capté du micro vers le serveur, et puis on va pouvoir bosser là-dessus. Bonsoir Tuxit. Donc avec le cache maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Donc si on refait la capture, je vais prendre une capture 4. Hop. Capture 4. Paf. On va redémarrer ça. Ok, donc là ça se connecte. Je vais parler normalement près du micro. Voilà. Avec le combiné ici. Donc là, c'est un test de micro, mais plus loin. On est vraiment plus loin. Hop. Donc 1,3 méga, ouais, c'est pas mal. On va essayer de voir ce que j'ai pris du temps en plus hein, pour l'enregistrement. Capture 4 en brut, sine 16 bits, canal, petit boutiste. Et là, on voit clairement que sur le son, on est vraiment. Ça se démarque beaucoup moins en fait. Le fait qu'on perde 2 cm dans la captation, c'est vraiment, vraiment problématique. Si je vous fais écouter ça, par exemple, vous allez voir.
On entend toujours le ch ambiant. Si je fais un low pass là-dessus, comme on faisait avant. Voilà, ça donne ça. C'est pas ouf, hein. Donc le fait de rapprocher le micro au plus près, je pense, ici, c'est pas déconnant. Ça permettra d'avoir un son qui est vraiment bien. Je vais faire la même chose sans le cache, vous allez voir la différence. Donc là, on relance. Ok. Ouais, il se connecte. Là, je parle relativement près du micro, on verra ce que ça donne. Voilà, donc on importe. Ta-ta-da. Les paramètres, c'est du 5-16 bits, ça c'est bon. Et là, on voit bien, a priori, ça va pas mal. Hein. Donc ça, c'est avec le bruit, si je dénoise, enfin si je fais un low pass sur l'ensemble, c'est pas vraiment du dénoise, mais bon, ça permettra au moins d'avoir un... Un premier passage, ça donne ça. Il faudra un coup d'ampli suite à ça, quoi. Bon, si je fais un coup d'ampli sur ça, ça donne. Ouais, c'est pas ouf, hein. La piste 3, oui, pardon. Oui, ah oui, bah c'est ça qui met du bruit depuis tout à l'heure, en fait, que j'ai passé à 27 depuis tout à l'heure. Ok, donc là, j'ai fait un denoise et une petite amplification. Et si je refais une ampli sur cette partie-là, juste pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut monter en ampli. Amplification, si on veut faire un peu plus. Je surveille le niveau aussi dans le stream. Ouais. Bah en fait, va falloir quand même voir pour amplifier quand même plus. Hein. Parce que là, clairement, j'ai fait un denoise, mais même en amplifiant de base, je suis assez limite. Si j'essaie d'amplifier un brin plus, on va voir ce que ça donne, mais ça va saturer. Il y a toujours le ch ambiant que j'arrive pas à supprimer, c'est ça que j'aimerais bien arriver à virer avec le DSP. Bon, on a quand même un signal qui est propre, je veux dire, même s'il y a du bruit de fond, on a l'audio qui passe, qui est transmise par le SP32. Il n'y a pas des presets de filtre pour débruitage. Alors, il me semble que dans ce qui était prévu dans un des trucs qu'il fournissait, qui était le filtre. Là, il fait que du resample. Il fait pas le resampler, il fait que du resampler. Et il me semble pas que dans les trucs de SPIDF, il y a. Attendez, que c'est le. C'est pas le SPIDF déjà, c'est le SPADF. Filter. Il me semble qu'ils avaient implémenté donc dans les libs. Est-ce qu'on a du filtrage? Il me semble qu'il y avait des trucs qui faisaient du filtrage, mais. Alors, SPADF libs dans l'audio. Non. C'était pas dans les codecs. Voir si un low pass filter qui est implémenté ou un truc dans le genre. Pas ma connaissance sur ce truc-là. Je sais pas s'ils ont mis ça en place. Alors, et t'as mis un micro Farah comme il demande expressif aussi. Comment ça, un micro Farah? Comme il demande expressif. Là, j'ai pris la carte Lirate Mini et j'ai juste changé le micro. Alors, je peux toucher au PCB, c'est une dev board. Bah, c'est une dev board en l'occurrence. Et oui, il y a beaucoup de bruit sur la capture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de ce que j'ai vu, en fait, le bruit vient du haut-parleur. Je vais vous montrer ça de manière plus simple. Vous allez voir, c'est super, super intéressant. Alors, je sais pas si je vais pouvoir montrer ça comme ça, mais en fait derrière là j'ai des connexions du. Donc, pour faire simple, hein, j'ai un truc comme ça à l'heure actuelle. Donc avec tout derrière ici des connexions de sur le haut-parleur. Et si je déconnecte le haut-parleur, tout le bruit disparaît. Attendez, je cherche un tournevis.
Ouais, j'ai pas prévu de tournevis sous la main, et du coup je galère. Un petit tournevis. Et celui-là va faire le job. Non, trop. Ah, la misère, je trouve plus mes tournevis. Bonsoir Boulabyte. Alors, Peripheral ADC, Minimizing Noise. Après, oui, on peut essayer avec un condo. Hein. Alors, No Capacitor, With Capacitor et Multisampling. Alors, Multisampling, qui disent les messieurs. Attends, je vais prendre ton lien ici. Hop. Donc, parallèle de ça, on a cette documentation. Calibration ADC. Le calibrage. Et les extensions niveau application, donc on a ouais, ça c'est bon, le driver, les GPIO lookup. Ok, donc eux, ce qu'ils disent c'est qu'ici avec les lectures ADC sans condensateur, on a bien cette variation là. Avec condensateur, ça réduit pas mal, et puis multisampling, ça marche pas mal. Ok, bah, ça fera, je check du coup, je prends un tournevis. Ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, si je peux monter de l'atténuation de l'ADC, comme elle n'est pas linéaire, tu risques de perdre pas mal de petits signaux et donc du bruit. Ouais. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que dans la carte, il disait que le micro, du coup, pouvait être basculé sur un sampler, et en fait, non. Enfin, c'était pas forcément de l'ADC. Je suis obligé de passer par l'ADC parce qu'il y a une limitation au niveau de la carte. Alors, le truc qui est marrant dans l'histoire, et je voulais vous montrer, c'était qu'est-ce qui se passe quand je déconnecte un fil du haut-parleur. Donc là, je viens juste d'enlever un des fils du haut-parleur. Vous allez voir, la capture, du coup, va être un petit peu changée. Donc, on retourne sur la partie capture. Je refais ici une capture 4 avec les mêmes techniques. Hein, commencer à connaître un petit peu la routine. Hop. Et c'est parti, ça reboot. Je parlais assez loin du microphone, hein, à voir de base. Là, c'est censé enregistrer, donc on va voir. Hop. Avec un gros boom à la fin, ça va être parfait. Voilà, donc là, j'ai ma capture qui a été faite. Si je regarde bien, elle fait 334K. C'est pas énorme, mais bon. Ça n'a pas duré trop longtemps non plus. On fait une acquisition comme on l'a fait précédemment. On regarde la trace voulue. Et voilà ce que j'ai. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Ok. Ah, par contre, celle-ci, elle n'a pas été très très forte. Est-ce que moi j'ai le feedback? Alors si je mets à 10 dB de votre côté. Oh, ça me donne un truc comme ça. J'ai pas dû démarrer. Si, c'est démarré. Et ouais, ça a l'air totalement pur. Et en fait, ça, c'est sans quand je connecte pas le haut-parleur. Pourquoi ne pas avoir gardé le micro d'origine du combiné? Parce qu'il fallait de l'électronique en plus pour. Comment dire? Il fallait de l'électronique en plus pour pouvoir gérer le micro. Il faut l'alimenter. C'était un micro à charbon qui n'était pas du tout. Enfin, qui ne nécessitait pas le même câblage que celui qui était intégré sur la board qui m'intéressait. Et du coup, ça impliquait de refaire une partie de la board. Et j'essayais vraiment de faire au mieux en modifiant le moins possible la board sur laquelle je me base. Il y a du bruit dégueu à cause du crosstalk, je te parie. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. Non mais j'en suis quasiment sûr, c'est à cause du crosstalk. Qu'en fait, dès que j'alimente de haut-parleurs, ça me met du parasitage de fou, quoi.
C'est dû à quoi le phénomène avec l'HP? T'as une piste? Moi, ma piste, c'est tout simplement ce que les tests que j'ai fait avec la Lirate, il n'y avait pas de. Pour faire simple, j'avais pas de combiné. J'ai pas testé sur combiné, j'ai testé simplement avec un micro comme ça et en testant l'acquisition. Et le haut-parleur sur un haut-parleur qui était externe mais qui était totalement qui était pas du tout relié au combiné. Et ça marchait nickel. J'avais un son qui était top, avec un rendu top, l'acquisition qui était bonne, etc. Ouais, c'était totalement décorrélé. Ouais. Et à partir de là, le truc qui me met un petit, qui a mis sur la voie, et je suis quasi sûr, de toute manière, que c'est vraiment un cross-talk, comme dit Gégéva, c'est qu'en fait, quand on alimente le haut-parleur, du coup, il y a du courant qui circule, et ça fait une induction dans les fils. Le seul truc qui m'amène aussi sur la partie induction, c'est ça, en fait. C'est bête à dire, hein, mais ça fait une bobine. Ça fait une petite bobine, ça crée. Il suffit que tu envoies suffisamment de courant, puis voilà quoi. Après, un condo de découplage. Le condo de découplage, je suis pas sûr que ça soit suffisant. Après, moi, j'ai regardé vite fait en faisant quelques recherches avant les vacances sur les moyens d'éviter le crosstalk, justement. Et si tu branches en direct l'HP. Ah bah après, moi, je peux brancher un autre haut-parleur que j'ai en direct et on regarde si ça fait la même chose. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, ça ne change absolument rien. Si je branche en direct l'HP, comment tu veux que je branche l'HP en direct, du coup, je comprends pas trop là. Ça peut être la lime qui est un peu juste en courant aussi, non? La lime peut être un peu juste en courant. C'est possible aussi, ouais. Il faudrait amplifier au cul de l'électrette. Ouais, alors je peux amplifier au cul de l'électrette, le problème c'est que la borne ne permet pas de le faire. Sans passer par le fil à spirale. Ouais, bah ouais, non mais je peux être un. Attends, j'avais un haut-parleur, je sais plus si j'étais toujours dans le coin ou si dans le truc du projet, je pense que oui. Mais je pourrais le brancher celui-là au cul et on regarde si ça se passe. Ah, tu veux dire ouais. Sans passer par le fil à spirale pour éviter l'induction. Bah je sais pas si c'est le fil à spirale qui fait l'induction. En tout cas, il y a clairement un effet dès que j'envoie du signal sur le haut-parleur. Le problème c'est que là, clairement, j'envoie rien au haut-parleur. Le haut-parleur ne fait pas de bruit, en gros. Parce que je lui envoie aucun signal. Mais j'ai quand même un parasitage qui est présent. Donc après, est-ce que c'est le haut-parleur qui se met à se comporter comme un microphone en plus et qui m'envoie des. Je sais pas, ça me paraît, ça parasiterait pas, il y aurait pas assez de courant généré pour parasiter. Donc je sais pas, en fait, le seul truc que je sais factuellement parlant, c'est que quand je branche le haut-parleur sur la sortie, ça part en sucette. À cause du combiné. Je peux bien essayer de brancher un autre haut-parleur, on va voir si ça change. Parce que j'ai gardé le haut-parleur que j'avais dans l'ancien projet. Donc à la limite, on va faire ça, bougez pas. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je vais brancher, en fait, je vais juste déconnecter le haut-parleur qui est utilisé ici. J'ai pas de. Hop. Donc là, il est totalement décorrélé. Hein. J'ai deux fils qui volent. Et je vais mettre à la place, du coup, le haut-parleur. Et ça se trouve, peut-être falloir que je change le haut-parleur aussi. Hein. On n'est pas à l'abri. Alors du coup là je mets des petits Dupont. Hop. Et chut. Ok. Alors. Et vu que je suis emboulé, j'ai pas serré comme il fallait. Ok. Je ne peux pas dire que ce soit pas serré. Alors, faut que ça tienne un petit peu quand même. Ok, on va dire que ça fait le taf. Donc là, j'ai mon petit haut-parleur qui est totalement à côté, et j'ai mon microphone qui est ici. On pourra faire une capture hein, pour voir si vous voulez. Hop, c'est parti, je mets le bon écran, on lance une capture, on restart ce truc-là. Tac, c'est parti, prêt pour la capture. Encore un test. Voilà, la capture est faite. On attend que tout arrive. On stoppe. On regarde. 537 kilos. C'est pas mal. On importe ça directement en brut. Capture 4 qui se trouvait ici. Paf. Petit boutiste mono. On importe. Et là, c'est nickel. Je veux dire, si je vous la fais écouter. Vous voyez, le son est impeccable.
Il est amplifié sur la board. Oui, l'Electret est amplifié sur la board. Il a un montage ampli sur la board. Il est vraiment connecté. C'était prévu sur la board qu'ils sont amplifiés. Et le son est vraiment nickel sur le truc. Dès que je branche le haut-parleur, c'est l'horreur. Non, mais on est d'accord. Maintenant, si je branche le haut-parleur du combiné, ça va être de la mort. Bonsoir, Robinou. Bah, ça va. On est en train de se prendre la tête sur comment dire, hein, sur comment faire pour que le son soit vraiment nickel au niveau du combiné. Mais je pense qu'il y a un problème à la base sur la partie électronique du machin. Enfin, pas la partie électronique, mais le fait que dans le combiné, j'ai un truc qui met le bazar. Le truc, c'est que moi, en électronique analogique, je suis pas très très doué, clairement. Après, on peut faire un deuxième test. Je peux changer le haut-parleur, reconnecter l'ancien haut-parleur, mettre un autre haut-parleur à la place et regarder comment ça se comporte. Amplifier juste derrière l'électrette et bypass amplification sur la borne, mais oui. Bah, du coup, ouais, non, ça me demande de changer le circuit de la borne. Et là, c'est dessouder du 0402 en faisant du truc crado et c'est un peu. Voilà. Le test que tu viens de faire, c'est comme si tu avais sorti l'HP du combiné. Absolument. C'est exactement ça, Crapoc. J'ai sorti le HP du combiné. Le HP, je l'ai ici. Hein. Je sais pas si vous voyez ici, mais le HP, je l'ai dans la main. Il est là. Il est totalement décorrélé, parce que moi je pensais au début que c'était un effet de bord qui était dû à mes fils volants, etc. Et ça vaut le coup de checker le bruit sur VCC, VRF, Allocilo quand on branche et débranche de HP. Alors oui, 1459, 8366, le seul problème c'est que là j'ai pas de setup pour le faire en stream, donc à la limite je ferai ça hors stream. Sinon, là, t'amplifies le X-Talk. Bah, c'est ça en fait, mais le problème c'est que j'en vois rien sur le haut-parleur, et c'est ça qui me fait bugger, c'est qu'en fait j'en vois strictement rien sur le haut-parleur. Et il envoie. Enfin, il y a de la merde quand même, quoi. Bah, phénomène moisi avec la spirale, possible. Après, ça peut. Bah, soit ça vient de la spirale, soit ça vient du HP qui fout le merdier, je sais pas trop. Mais sur la part. Enfin, pour moi, le fil spirale peut-être être incriminé, ouais. Si jamais ça fait une induction de l'un à l'autre, sachant les courants au niveau de l'électrode, c'est pas énorme, comme disait GGVA, de toute manière. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'induction que ça parasite le truc, ouais. Mais du coup, ça fait suer parce que il faudrait refaire le fil du combiné. C'est possible hein, de refaire le fil du combiné, je suis pas totalement contre. Hein. Enfin, c'est juste qu'on n'a plus le câble d'origine, quoi. Ou alors, il faudrait réussir à blinder les fils à l'intérieur. C'est pas gagné. Hein. Après, ce que je peux faire, c'est à la limite rebrancher les fils et voir si je peux câbler le. Si j'arrive à câbler le truc directement ici. Enfin, le haut-parleur normal ici. Faut voir. Bah ouais, les électrodes, le signal est tellement faible. Après, j'avais pensé mettre un amplificateur directement dans le machin, mais ça marche pas avec la carte. Parce que du coup, la carte a refait une amplification et s'attend à avoir un électrode en fait qui est connecté sur le micro. Et il n'y a pas de pad où je peux directement brancher un truc en ADC, quoi. Ça, c'est juste la mort. La board, elle est faite pour être utilisée avec les haut-parleurs et le micro qui est fourni dessus et pas mettre autre chose, quoi. Il n'y a pas moyen de faire différemment. Alors, le fil spirale ne doit pas mettre beaucoup d'OEM non plus. Non, non, c'est pas énorme. Mais le problème, c'est que les fils sont tout proches. Et ils sont en spirale. Et l'électrode, il capte le moindre léger courant qui serait induit, il le chope. Sachant que ça marche sur des microvolts. Hein. Peut-être des millivolts plutôt que des microvolts. Et du coup, ça met le bazar. Et ce truc-là, donc c'est un truc que j'avais observé assez rapidement quand j'avais commencé à assembler le combiné. Et le téléphone, et ça m'embête beaucoup. Je pensais pouvoir régler le truc en DSP justement pour éviter le problème, mais là vous voyez, c'est du tout, enfin, c'est totalement différent quoi. L'impédance entre ton HP à charbon et ce qui est attendu, bah si, ça c'est tout à fait possible. Bah, attends, on va faire un test. Je vais brancher le HP via le fil. On va faire un truc crado, hein. Mais tire sur le fil pour défaire les spirales et test. Ouais, non, je peux pas tirer sur le fil, c'est pas possible. Le truc. Par contre, dedans, là, j'ai possibilité, je pense, de. On va dire. Avec un truc un petit peu à l'arrache, de souder les petites. Le haut-parleur, en tout cas, sur la sortie. Ouais. Du fil à spirale qui tient la route. Ouais, faut voir. Bah, écoute. Bonne nuit à toi, Rubinou. Et merci d'être passé. Du coup, ouais, on peut essayer. Moi, je suis tout à fait partant pour faire cette bidouille-là. On va. Donc là,
Du coup, l'objectif, ça va être de remplacer ce petit haut-parleur que vous voyez ici. Je suis pas du tout en config atelier, c'est l'horreur. Le petit haut-parleur ici par celui que j'ai branché tout à l'heure. Donc, on va se faire un petit montage à la crado. Effectivement, si c'est le haut-parleur qui va pas, ben, on va changer aussi le haut-parleur. C'est pas grave. À la limite, ça serait peut-être la meilleure solution. Hein. Si c'est vraiment ça qui met le bazar, ça m'ira plus que. C'est très heureux en tout cas que ça soit juste ça. Ça veut dire juste refaire un peu de design 3D pour caser le haut-parleur dans le. Merde. Dans le casing. Alors, ça c'est le premier. Et je fais n'importe quoi comme d'hab. Ok. Plus de chat, je suis en moitié enrhumé, ça aide pas. Je suis pas sûr que le haut-parleur d'origine soit à charbon. Le micro, oui, mais le haut-parleur, j'ai pas souvenir que ce soit à base de charbon. Bon, est-ce que je vais réussir à faire mon montage? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Ok, donc là j'ai monté le. Je dois avoir un petit tournevis à main pour cette partie-là. Donc je vais juste sortir ici le haut-parleur d'origine. Ok. Alors comment je vais réussir à faire tenir ça sur les Dupont? Est-ce que j'ai des trucs. Il y a trop de trucs sur ce bureau, c'était pas prévu que je fasse de l'électronique ce soir. Un petit coup de soudure à la limite, qu'on pourra retirer après, ouais. Allez, on va ramener le fer à souder et puis on fait un truc crade. Allez, là je vais le faire à souder sans rien du tout. Tu perds le côté incontournable du combiné vintage, il faut rajouter du plomb de pêche. Ouais, on pourra en rajouter si tu veux du poids, il n'y a pas de problème. Hop, allez, on va faire de la soudure à la cradoc. C'est mieux si je mets le fer à chauffer. Là, ça va vraiment être sale. Alors, vous verrez pas grand-chose de mes trucs sales, mais c'est pas bien grave. Je vous rassure, vous loupez pas grand-chose. Première affaire, ça ne chauffe pas. Et ça n'accroche pas. Cool. C'était une bonne idée. Magnifique. Que ça ne tienne, on va pas faire de soudure. On va travailler avec des petits grip fils. Hop, un petit grip fil. Bon, c'est pas la meilleure solution du monde, mais on va dire que pour le prototypage, ça suffira largement. Et un deuxième grip fil. Donc là, j'ai un haut-parleur qui est connecté dessus. Voilà. Alors, niveau pratique, ça va pas être terrible. Mais je vais essayer de parler dans le machin sans causer de gros dégâts. Mais sinon, c'est opérationnel. Alors, eh ben on est parti. On se refait une petite acquisition. Ça saute. Paf. Ok, donc là je relance et enfin, je vais parler dans le micro de manière assez proche. Test juste pour voir. Ok, hop, paf, on a quoi? 300K, c'est assez assez proche. Si on fait un importer données brutes capture 4, donc toujours avec ces trucs-là, ben, oh, le retour du bruit! Vous voyez le méchant bruit là? Et le méchant bruit, il est là, hein. Il est là partout.
Donc que je mette un haut-parleur classique ou autre, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est le fil du combiné qui fait que ça merdouille. Parce qu'il n'y a que cette section-là qui fait que ça merde. Quand je mets le haut-parleur di en direct, j'ai pas le problème. C'est ouf, hein? Échec de la tentative, bah non, c'est pas un échec, c'est une réussite. On sait maintenant que, effectivement, c'est bien le fil qui fout le bazar. Donc après, quitte à changer de fil, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que je pourrais pas le blinder, de toute manière. Je peux pas blinder le fil, parce que le fil est pas blindé, pas fait pour. Après, je peux peut-être opter pour un autre fil et faire un petit passe-câble qui va bien, je sais pas trop. Mais là, clairement, c'est du crosstalk, hein, c'est ce qu'on disait. Après, si je déconnecte ici, typiquement, je déconnecte un fil du haut-parleur et je refais la capture, ça donne quoi? Bon, je refais la capture juste pour la forme. Voilà. On va reparler dedans. Test encore. Hop. Donc là, 539K. On réimporte. Capture 4. C'est bête, on devait développer un serveur à la base hein, ce soir. Et là, c'est la même merde. What the fuck? Alors ça, j'ai déconnecté le haut-parleur du côté du combiné. J'ai juste connecté les fils. Non, non, c'est pas les soudures qui sautent, hein, je pense pas. Je pense que les soudures du micro ont tenu. Non, le sur micro c'est bon. Ah, toi aussi ça te fait bugger, GGE. Moi bah, ça me fait grave bugger. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Absolument. Je suis tout à fait perplexe. On va refaire un test hein, si tu veux. Donc là, en gros, pour faire simple, j'ai des gros merdiers sur mon bureau, mais un truc est sûr. C'est que j'ai déconnecté ici le haut-parleur. Donc je sais pas si vous allez voir, mais là mes fils sont flottants. Hein. Purement et simplement. Donc là, ils servent à rien en fait. Ils sont juste en l'air. Le haut-parleur est. Enfin le micro est connecté. Et le haut-parleur est connecté sur la petite borne derrière. Donc, je vais faire une capture. Hop. Là j'ai relancé une capture. Encore un test. Donc là, on a 516K qu'on peut importer comme on l'a fait précédemment. Donc je ne me suis pas trompé dans l'import. Hein. J'ai bien sélectionné ce machin. 16 bits mono 44K. Et on a ça. Voilà. Donc on a un son qui est vraiment tout pété. Un problème sur le bornier? Bah non, quand je branche aucun fil, j'ai pas de soucis. Et là, typiquement, si je défais, je vais vous montrer, hein, je vais enlever un fil du bornier, hein, de ce qui est connecté dessus. Donc là, il n'y a déjà rien dessus, hein, qu'on soit bien d'accord. J'enlève juste un fil. Voilà, celui-ci. Un faux contact dans le fil du combiné. Ouais, ça c'est possible aussi. On refait une capture pour la forme. Soit c'est moi qui suis un boulet, ce que t'as fait possible, et qui voit pas d'où vient le problème. Soit il y a un truc qui est. Mais les trucs mystiques, je connais pas. Hein. Test, test. En plus, je parlais loin du combiné là. Papam, allons-y, données brutes, capture 4, sign 16 bits, petit boutiste, un canal. Et là, c'est nickel. Voilà, enfin. C'est clair et précis, il y a un truc dans le fil. Alors, quand tout est vissé sur le bornier, ça pourrait pas faire un faux contact. Le bornier, me dit-on. Ok. Alors, le bornier, qu'est-ce qu'il peut avoir comme souci, ce bornier? Parce que du coup, ça viendrait de quoi s'il y a un problème au bornier? Quand tout est bien vissé sur le bornier, ça pourrait pas faire un faux contact. Bah,
Ça se peut que ça fasse un faux contact. Il faudrait que je fasse un. Ah oui, attends, bouge pas, on va faire un test avec un multimètre. On va voir si ça fait contact. Si c'est ça, punaise, ça veut dire que je me prends le chou avec ça depuis longtemps. Je vois rien de ce que je fais, c'est vraiment embêtant. Hello, Kenby. Non, mais moi non plus, je suis d'accord avec vous là-bas. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est la conclusion logique, hein. Je vais juste essayer de. Je sais que vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train d'essayer de remettre le fil dans le bornier. Sans que ça. Ok, donc là tout est serré. Alors si c'était le bornier, normalement, si je fais un petit test avec un multimètre. Non. Oh non, non. Toi t'as pas le droit de tomber. Attendez. C'est vraiment le bazar là, faut que je fasse du mesure les résistances. Ouais, je vais faire ça, attends. Du coup. Ouf. Un atelier improvisé sur le bureau, c'est pas terrible. Bon, bientôt il y aura plus de micros qui me fera suer. Ça serait une bonne chose de faite. Alors, mesure de résistance. Ok. Donc là je suis à du 200K. Donc. Ici, entre les bornes du haut-parleur, j'ai rien. On va dire c'est normal, c'est contact ouvert. Pour l'électrette, du coup, j'ai rien de particulier. Ici, j'essaie de regarder entre les deux. Peut-être parce que j'ai un calibre trop gros, remarquez. Hein. C'est peut-être possible aussi. On retourne. Entre les bornes ici du haut-parleur, je suis toujours au max. Ah. Ah oui. Oui, bah oui, mais ça peut expliquer pas mal de choses. J'ai 4 ohms entre les bornes du machin alors qu'ils sont pas censés se toucher. Est-ce que ça serait mon combiné qui est moisi? Méthode scientifique, on teste tout jusqu'à trouver le coupable, absolument. Mais ouais. Bah écoute, ça m'a l'air assez clair. Alors est-ce que ça vient du fil ou est-ce que ça vient de. Ah. Bon, bah on tient le coupable. Hein. On a le coupable, c'est sûr. C'est ce truc-là. Là, je suis à. Je suis à 4 ohms et quelques. Et ça veut dire que du coup, si je passe en test de continuité, ça bip, quoi. Parce que je crois que c'est en dessous de 6 sur celui-là. Voilà, ça bip. Donc j'ai un. J'ai deux fils, attendez, j'ai peut-être deux fils à part là, hop. Donc ils se touchent pas hein, de leur côté. Par contre ici ça se touche. Alors est-ce que c'est dans le combiné ou est-ce que c'est le bornier? Maintenant c'est la grande question. Bah je peux regarder mes soudures côté carte, mais il faut que je démonte tout. Alors si je pouvais éliminer les autres solutions avant, ça m'arrangerait. Plutôt que tout démonter, me retrouver emmerdé. On va faire un test juste sur le fil. On va voir si c'est ça qui. Ah, bordel. J'aimerais bien vérifier l'état du fil aussi avant. Punaise, c'est juste la mort. Allez, viens là, toi. En plus, je suis en train de bousiller mon fil. C'est super. Alors. Ah, c'est l'horreur. Bon. Je suis con en plus, moi je peux prendre les deux trucs ici. Ce serait vachement plus simple. Donc voilà, je pense que c'est la carte, t'as raison. Et là, dans les fiches, j'ai que dalle. Donc ça vient de la carte. Ça devrait être un zéro, absolument. Donc on a un problème au niveau de la carte. Bon, vous savez quoi, je vais déconnecter l'USB et puis on va faire un test. Ouais. C'était pas prévu, je faisais électronique ce soir. Électronique, c'était pour jeudi. Mais en tout cas, si ça explique pourquoi ça merdouille, ça serait une bonne chose de faite. Alors, du coup, bon, on va enlever la carte. Je n'arrive plus à rien ici. Bougez pas, je suis un peu ménage. Alors, pour l'escrew ici, je dois voir ça.
Donc j'ai pas de clou ici sous les mains. Ah mais oui, mais attendez. Est-ce que ça viendrait pas justement de la carte d'Ira? On revient toujours à l'hardware, ouais. Un truc qui m'embête, c'est ça en fait. Je vais vous montrer. Alors, si je reprends le schéma de la Lirate Mini, hop, on a la schématique qui est dispo ici. Alors, normalement, pour la Lirate Mini, je vous assure, je me suis pris la tête avec ça. Hein, mais sur la partie sortie, on est censé avoir ça. Donc, on a un speaker ici. On a un condensateur et c'est relié à haute plus et haute moins. Mais le problème c'est quoi le NS4150 4150 là? C'est quoi ce machin? Donc c'est un amplificateur. Donc il y a un ampli qui est connecté. Ok, qui doit être connecté comme ceci et qui fait un ampli sur la sortie. Donc, par contre, on disait quoi? C'est. Alors, quand je débranche un fil, ça. Non, mais. Attends, mais il y a un truc. Alors, tu vois 4 ohms d'impédance de sortie sur le schéma. Ouais. Attends, 4 ohms d'impédance sur la sortie. Oui, celui-là, ouais. En 4 ohms d'impédance, ouais, absolument. D'ailleurs, le petit que j'ai, moi, je crois que c'est un 8, mais bon. Il y a 4 ohms d'impédance en sortie sur le schéma. Absolument. Mais du coup, c'est un truc qui m'ennuie dans l'histoire, c'est que si je fais une mesure sans, en déconnectant les fils, de toute manière, je tomberai sur la même valeur. Du coup, je fais la mesure en dessous. Super. Comment je vais m'y prendre, moi? On va démonter le truc. Je mesurais entre un fil du speaker et un fil du micro. Non, non, je mesurais entre les deux fils du speaker, ce qui était normal. Attends. Toi, tu penses qu'il y a un truc du. Ouais, un fil du speaker et un fil du micro. Attends, je vais revérifier tout ça, parce que je fais de la merde. Attends, est-ce qu'on peut toujours tout démonter? Salut, défaut de route! Donc au niveau de la soudure, bah, j'ai pas de truc particulier hein, qui pète ici. Après, si je fais une mesure ici entre le fil du. Alors, entre le fil du micro et le fil du speaker, j'ai rien. Et j'ai rien. J'ai rien de rien. C'est ça qui est dingue. Et si je mesure entre les deux broches qui sont reliées sur le haut-parleur, ici ça me donne rien du tout. Il y a un souci, ouais, il y a un souci, mais vu que je suis pas du tout, vu que j'arrive à rien. Bah, j'arrive à rien, puis alors forcément. Hop. Juste revérifier un truc parce que c'est un truc qui me semblait bizarre. Je refais des tests à la noix. Sur le. Ok. Putain, c'est ouf. Ah, punaise. Bon, alors quand je mets les deux fils dans le bornier, la résistance R104. Donc j'ai pas accès à tout là. J'essaie déjà de recabler mon truc parce que forcément c'est tout petit. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue aux gens qui raident. Merci pour ton récep, Doudam.
Et bonsoir Xavier, bonsoir ami Fif. Et bonsoir à l'homme qui chuchote à l'oreiller, à l'oreille de l'oreillette. Ouais. Bah là, l'homme qui chuchote à l'oreille de l'oreillette, il est embêté avec un truc bizarre. Et je dois pas avoir le cerveau très clair parce que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ça devient un peu embêtant. Bon, j'essaie de tout remonter. Alors, voyons voir. Est-ce que j'arrive à obtenir la même chose? Donc là, je déconnecte ici. Je suis en train de refaire des tests. Alors, c'était pas un live électronique à la base. Ça s'est improvisé en live électronique. C'était pas du tout prévu. Donc là. Qu'est-ce que c'est que cette truc bizarre? Tout à l'heure, j'avais 4 ohms. Merci pour ton resub, Boulabyte. Et merci pour le resub, GGVA. Et juste que je suis un boulet, que j'arrive à rien. Et on a. On espère. Bon. Et là, j'ai 0 ohm. Alors que tout à l'heure, j'avais plus que. J'avais 4 ohms. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Le reset a fait ding ding ding. Ouais. Est-ce que tu as accès à la résistance de shunt R104? Alors, résistance de shunt R104. Oui, je dois pouvoir y avoir accès. Après, où est-ce qu'elle est située sur le machin? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que là, j'ai deux. Ouais, j'ai la R104, ouais. Absolument. Je dois voir, ouais, une résistance à 0, c'est marqué dessus. Mais ça veut dire que je modifie la board. J'ai déjà modifié un petit peu la board, mais pas trop. Mais là, le truc qui est plus bizarre, c'est que du coup, j'ai plus la résistance à 4 ohms. Ça, c'est super cool. Et là, je suis perplexitude. Je vais faire une capture juste pour la forme, voir si du coup ça a réglé le problème. Hop. Tac. Non, et en plus, faut que je reconnecte tout ça parce que forcément, dans le... en plus de ça, j'ai tout arrêté. Hop. Ok, donc là, c'est parti. Bon, je refais une capture juste pour voir si j'ai toujours le comportement. Test, test. Ok. Importer. Données brutes de ça. Sign 16 bits. Un canon petit boutiste. Et là, c'est encore tout bruité. Est-ce qu'on entend quelque chose au moins? On entend quelque chose, mais j'ai rien. Merci pour le cheer, Pedro. C'était entre les bandes de l'ampli, c'est 4 ohms, le Z de l'impédance de sortie, c'est normal. Bah oui, non, mais c'est pour ça, c'est normal. Mais maintenant, le problème, c'est que on a toujours le même souci, c'est-à-dire que grosso modo, pour faire simple. Ah non, mais là, c'est le train de live qui est parti, mais c'est. Wow. Doucement, les gens, doucement. Prends le courant à ce niveau sur le R104 et R116. Ok, donc toi tu me dis grosso modo de prendre le. Mais ouais, c'est ça en fait. Je suis sur les sorties. En fait, R104, R116, c'est ce que j'ai en sortie speaker. Hein. Merci pour le reset, Tandals. Il n'y a pas d'oscillo, c'est de setup pour ce soir, c'est un peu improvisé. Ouais, complètement, ouais. J'aurais bien mis un oscillo et regardé ce qui se passait dessus, mais là c'est un peu la mort. En fait, le truc qui est vraiment bizarre, c'est que là j'ai fait un test où j'ai branché les deux fils du haut-parleur du combiné sur le bornier. On a le résultat que vous voyez. Et si je débranche le haut-parleur, simplement. Alors, les deux fils du haut-parleur du combiné ne sont pas branchés. Hein. Ils sont juste des fils flottants. Ils sont juste là. Pas connecté, rien du tout. Et le bornier aussi est flottant quand je déconnecte. C'est ça qui me fait bizarre en fait. Alors, moi j'ai débranché le. Non, j'y arrive pas. Attendez. Hop, j'ai débranché le bornier, je refais les tests.
Ça me donne quelque chose comme ceci. Donc ici, je quitte la capture. Je refais une capture à l'arrache comme précédemment. On restart juste pour la forme. Je parle dans de super combinés. Ceci est un test encore. Voilà. Ensuite, on arrête ici. On vérifie la capture. 378K. On importe comme précédemment, donc avec les settings qu'on avait en Sine 16 bits, mode petit boot XPCM. Et là, la capture est nickel, quoi. Et quand on écoute, ça donne. J'ai pas entendu des basses, mais bon. Bon, on a un truc quand même qui est relativement clair. Alors, s'il y a 4 ohms entre les bandes du HP ampli allumé, comme l'ampli a une impédance sortie de 4 ohms, c'est normal. Ouais. Par contre, s'il y a une résistance entre les fils du micro et du HP, alors là, il y a un problème. Bah, c'est ça. Et entre les fils du micro et du HP, ouais. Alors, du coup, il faudrait tester. Bah, faut que je teste des fils du micro. Enfin, en gros, faut que je vois s'il n'y a pas des connexions entre le fil du micro et le fil du haut-parleur. Mais dans ce cas-là, ça m'aurait dû combiner. Là, alors, pour faire simple, j'ai juste débranché les fils du haut-parleur qui sont dans. Faut que je vous montre ça en gros plan, ça sera plus simple. Là, à l'heure actuelle, donc le haut-parleur, il y a un câble ici, donc il y a des fils de l'autre côté qui sont débranchés, et j'ai ces deux fils flottants. Ce qui se passe, pour bien que vous compreniez le problème, j'ai absolument aucun haut-parleur de branché de ce côté-là. Par contre, quand je mets les fils rouge et bleu ici connectés au bornier, ça chie. Et il n'y a rien derrière, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien du tout. Et quand je ne les connecte pas, ça ne chie pas. Donc ça veut dire qu'il y a un des fils, le rouge ou le bleu, qui joue avec le. Le problème apparaît quand le fil du HP n'est plus sur bornier. Non, le problème disparaît quand le fil du HP n'est plus sur bornier. Et je capte pas les ITI, non. Non, non. Le truc, c'est le combiné, en fait, je pense, qui merdouille. On va faire un test. Je vais couper tout ça. Hop. Et on va faire juste un test de continuité sur le en débranchant tout. Là, je me loupe. Ça, je peux le faire. C'est pas vraiment problématique. Hop. Ah, fût. Tu viens là, oui, s'il te plaît. Non, mais c'est. On a été serré comme pas permis. Ok, on va faire un test de continuité. Ça disparaît avec le bleu et le rouge. Bah, dès que je branche les deux fils, ça apparaît. Et que, dès que j'ai des branches, ça disparaît. Donc on va dire la seule conclusion logique, c'est que ces deux fils interfèrent avec le micro. Alors est-ce que ça marche? Bah, il y a un faux contact à l'interface du bornier ou tu as un couplage capacitif plutôt qu'inductif entre tes fils, mais c'est super capillotracté. Ou alors il y a un faux contact entre les deux, je sais pas. Je vais faire un test entre le rouge et le reste, mais il me semble que j'avais vérifié il y a longtemps de ça. Alors, entre rouge et bleu, est-ce que j'ai quelque chose? A priori, non. Entre le 1 des rouges et vert. Non. On va passer en test de résistance, en ohmmètre, ça va être mieux. Ok, donc rouge et bleu, il n'y a pas. Il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Rouge et rouge, j'ai 2 ohms de résistance dans le fil. Quasiment. Rouge bleu, ça ne donne rien. Ensuite ici. Viens avoir papa. C'est. Bouge pas. Non. Et le dernier, il faut faire pareil avec le bleu. Alors, on a déjà testé avec un autre HP, c'est même probable. Quand on est branché avec le combiné, avant le combiné, pas de soucis, mais après ça bruite. Ouais, c'est ça. Alors, tu as un autre HP. Oui, alors, pour faire simple, j'essaie de récapituler sur un schéma. On va voir si on arrive à résoudre ça
ensemble. Mais je pense que c'est un problème du combiné, du coup. La solution au niveau électronique fonctionne bien. Le combiné, par contre, c'est une autre histoire. Du coup, on va se prendre une deuxième page. Page new, page after. Hop. Donc, si je résume la situation, hop, voilà, je vais vous faire le schéma simple, hein, par rapport à ce que je teste. Donc, j'ai ma petite carte ici, qui est reliée donc, à l'ESP32. Enfin, la carte ESP32 Lyra. Hein, donc, pour être totalement réglo, il y a un ampli qui est ici, qui est un petit module d'amplification. Qui est relié donc pour la partie haut-parleur et j'ai une deuxième ligne ici sur laquelle on retrouve la DC pour le micro pour faire simple. À 8 ohms tu pourras ajouter une capa directement sur le HP. Alors c'est essayer de déstabiliser un fil sur deux du HP pour une le fil qui déconne. Ouais, ça peut se tenter, ouais. Mais après moi j'ai souvent enlevé le rouge du coup. Mais après je pourrais, si j'en mets un sur deux, on peut effectivement tester. Donc ce qui se passe, c'est que là, j'ai en gros 4 fils qui arrivent. Donc on a, pour faire simple, hein, on a donc la masse qui est connectée, enfin non, c'est même pas la masse, c'est les deux fils ici du HP qui arrivent là-dessus. Et on a les deux fils du micro électret. Alors c'est même pas la DC, hein, ça c'est vraiment la partie mic ici, qui arrive à ce niveau-là. Et ça, c'est tout simplement forwardé sur un bornier. Donc là, j'ai un bornier avec quatre trucs. Pour faire simple. Ensuite, ici, on a notre microphone électret qui est pas branché ici, mais qui est connecté plutôt sur la partie microphone. Et on a ici la partie HP qui est connectée à ce niveau-là. Donc là, hop. On a le HP. Du coup, ce qui se passe, si je me laisse cette configuration, j'ai un signal micro qui est totalement bruité. Si je déconnecte un fil du haut-parleur, enfin, si je déconnecte même intégralement le haut-parleur et du combiné, ça marche nickel. Et à partir du moment où je branche juste des fils du combiné, donc là, les fils qui vont avec dans le fil qui tortille, eh ben, ça me produit le bruit encore à nouveau. On peut faire le test que proposait ici, je crois. Crapoc en changeant un fil sur deux et en voyant si ça joue. Alors, je vais tout recabler et puis on va voir si ça change. Allez, c'est parti. Maintenant, faut pas que je me trompe de sens sur la connectique du micro. Parce qu'il y a un sens. Contrairement au haut-parleur, oui, il n'y en avait pas. Le micro, lui, a un sens. Je me bouche aussi, ça serait pas mal. Hein. Hop, alors on met ça comme ça. Un petit coup de vissage. Ok. Alors le deuxième du micro. Je suis en train de l'insérer. Je sais que vous voyez pas ce que je fais. J'ai pas mis de. Toc. Là, je suis en train de bricoler dans le téléphone. En essayant de remettre des câbles dans le bornier. Ce qui n'est pas une mince affaire. J'espère juste que je ne vais pas bousiller les fils du combiné, ce qui sont un petit peu courts. Vissant, ça marche mieux, paraît-il. Ok, donc là, les fils du. Putain, c'est pas possible. Il n'y a juste pas de place. Ok, ça c'est bon. Ok, celui-là c'est bon aussi. Donc je vais mettre juste de bleu pour l'instant sur un des fils du haut-parleur. Punaise, c'est juste la mort. J'ai un autre combiné, ouais. Je sais pas si c'est un problème dû au combiné. Après, je peux rebrancher un autre combiné dessus et voir si ça résout le problème. Mais de toute manière, j'ai besoin de deux combinés. Donc si celui-là il merde, faut trouver pourquoi. Si je dois acheter un troisième combiné. Ça me donne une bonne chose, cette histoire. Punaise, il veut pas rentrer dans le bornier, c'est pas possible. Allez. Parce qu'en fait, les fils, en plus, pour bien faire, ceux-là, ils ont un petit guide en nylon dedans. Donc là, j'ai juste branché le bleu.
et le combiné. Alors, au pire, tu as un autre combiné. Ouais, pour voir si c'est un préparatif à tous les combinés ou seulement celui-là. Oui, je sais, mais. Ah, faut que je redébranche tout et tout, ça m'enchante d'une force. Donc, on fait une capture, youpi. Elle éclate. Alors, en plus, faut que je rebranche tous les trucs USB qui vont bien. Tac. Ok, donc là c'est parti, normalement, il se connecte. Test, test. Voilà. Hop. On fait la vérif, c'est bon. On importe. Capture 4. Sign 16 bits, petit outil 5 canal. Et là. Ça m'énerve pas mal. Si je comprends bien ta capture, tu l'as faite au niveau de ESP et pas en sortie du HP. Comment ça? Ma capture. La capture que je fais là, c'est la donnée qui est samplée par le convertisseur analogique numérique qui est directement transmise au PC. Donc là, j'ai un sampling en fait qui est fait en temps réel du signal audio et je récupère les samples, quoi, donc en PCM. Et j'ai un signal qui est clair quand je mets le fil bleu. Maintenant, on va essayer le rouge, voir s'il n'y a pas un problème avec ce rouge. Hop, donc je connecte à la place du bleu le fil rouge. Bon, j'ai testé tout à l'heure hein, des connexions pas possibles. Enfin, pas des connexions, mais des tests de continuité, d'ohmmètre, enfin de résistance entre les deux. J'ai rien trouvé de particulier. Là, je vais faire la même chose avec le rouge. Merci pour le follow, Dartiaz. Donc, on fait la même chose avec le fil rouge. Au bouton rouge. On restart ici. Non. Tac. Et on teste. Encore un test. Paf. Donc là, j'ai bien. Une capture, on peut réimporter la même chose. Tac, sign 16 bits, mono. Et là. Bon, le son n'était pas extrêmement fort, mais. Bon, en tout cas, le son est clair. Donc, ça, c'est good. Donc, que je mette le fil rouge ou le fil bleu, j'ai le même souci. Maintenant, on regarde ce qui se passe quand je connecte les deux. Et je n'ai pas de haut-parleur connecté sur le combiné. Les fils sont tout simplement en l'air. Alors ça fait le même problème avec le haut-parleur co connecté ou pas connecté, en fait, pour être précis. Ta punaise. Ce borny est sympa, mais. Ok, donc là j'ai connecté les deux fils. C'est quand il y a les deux fils, ouais. Et quand il y a les deux fils, voilà ce qui se passe. Bon, je fais la capture, on restart. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que ça rapporte de ça. Bon, t'as une résistance quand même assez forte. Test. Et encore un test. Hop, donc là j'ai bien ça. Capture 4. Petit boutiste en mono. Et là, on a le bruit. Bonsoir Kemtekoto. Les vacances, c'était de bonnes vacances, absolument. Il faut mettre une charge sur les fils bleus et rouges à la place du HP. Oui, bah je peux mettre un HP à la place, hein, y a pas de problème. Ou même une résistance s'il y a besoin. Mais dès que je mets un haut-parleur, c'est pareil. Si je lui mets un haut-parleur sur le en lieu et place de connecter au fil, en fait, j'ai pas de problème. Ça fait le même souci. Enfin, pas de problème. Si, justement, j'ai un problème et ça fait exactement le même problème que ce qu'on voit là. En fait, et dès que je connecte le bleu et le rouge. Les fils sont en l'air, oui, les fils sont en l'air. Est-ce que si tu branches le HP avec d'autres fils, ça donne quoi? Alors, j'ai essayé de brancher le HP avec d'autres fils et ça marche bien, il n'y a pas de problème.
C'est un truc un peu mystique. C'est quoi ceci? Ouais, il y a du parasite sur. Oh, faut que je te remonte deux trucs, attends. En fait, là, j'ai un normand haut-parleur qui est connecté aux deux fils ici et un micro ici. Et le souci est le suivant. Si je connecte ces deux fils à ma carte ESP32, notamment donc relié à un amplificateur, j'ai du bruit qui apparaît, même s'ils sont volants comme ceci, hein, directement. Il y a un bruit qui apparaît lors de la capture. Et il suffit que je débranche un des deux fils pour qu'il n'y ait plus rien de. Voilà. Donc Crosstalk. Bah Crosstalk, je veux bien, mais. Ouais, ça c'est des problèmes du hardware, ouais, clairement. On est sur un truc typiquement où voilà, on a des bugs. Et là, en fait, pour moi, c'est. Bah, je sais pas vraiment comment ça. Pourquoi ça merdouille et pourquoi ça chie, je sais pas. Ah, franchement, je sais juste que quand je débranche un des deux fils, bleu ou rouge de la carte, ça merde. Mettre une ferrite, bah, je peux mettre une ferrite, mais le problème c'est que ça va pas être terrible sur le câble, quoi. Après, on peut essayer, hein, si c'est vraiment les deux fils qui sont longs qui font que ça merdouille. Après, c'est certainement le fait qu'il y ait. Parce qu'il n'y a pas de courant qui circule, vu que les deux fils sont totalement à l'air. Enfin, pour moi, c'est ça qui est assez bizarre. On a deux fils qui sont à l'air. Alors, c'est bien la section des câbles et leur résistivité qui apporte des soucis. Essaye avec un HP de 4 ohms. Ah, je sais pas si j'en ai des HP de 4 ohms. J'en ai un ici. Alors celui-là, c'est un de 8 ohms. Après, j'ai déjà essayé avec un HP de 8 ohms, mais il n'y a pas de souci, ça a fonctionné. Après, fil en l'air, c'est bien space. Bah, c'est ça le truc qui me chagrine dans l'histoire, c'est que. Bah écoute, bonne nuit à toi, Miss Fif. Et ouais, bah bon dépannage, on va y passer une petite partie de la nuit après. Si tu tends le Scooby-Doo, t'as encore du bruit. Ouais, j'ai fait des tests avec câble tendu déjà et câble détendu, j'ai aussi le bruit, ouais. Si c'est proche que ça fait. Alors que ça fait antenne vraiment, fil en l'air, c'est une antenne toujours. Oui. Mais dans ce cas-là, il y a un peu de courant qui est induit, mais on aurait le même problème avec juste le micro de micro. Comment dire avec juste le micro électrique dans ce cas-là. Il n'y aurait pas de souci avec les deux fils en l'air. Donc là, ça en fait, ça me fait dire que je pense pas m'être trompé sur le design de la borne. En plus, j'ai même pas fait rien. C'est juste de. Le PCB, c'est juste des fils, des pistes sur un PCB qui font fils de fil, quoi. Qui est relié au bornier, c'est pas plus compliqué. Je suis sceptique. Là, franchement, je comprends pas. Il y a certainement une explication rationnelle qui explique pourquoi ça donne ça, mais je ne l'ai pas. La qualité des fils qui est pas folle. Bah, la qualité des fils qui est pas folle, oui, ça se. Elle est pas oufissime, mais c'est pas non plus ça qui est. La qualité des vieux câbles, ce n'est pas négligeable. Bah là, j'ai du 2 ohms quasiment sur un fil. Donc 4 ohms au total. Qui est pas folle. Ah, du micro? Mais la qualité des fils du micro, quand je branche rien, ça donne du très bon résultat. Après, le câble que j'utilise pour le micro, c'est pas du câble audio blindé, etc. Donc on est quand même sensible. Ah, t'as dit que c'est bon avec un HP de 8 ohms. Oui, c'est tout à fait correct avec un HP de 8 ohms. Si là, je branche au bornier un HP de 8 ohms, ça me donne du son normal. Si je branche un HP 8 ohms au niveau du. Oui, je sais bien que 2 ohms, ça fait beaucoup pour des fils, mais ils sont assez longs au final. Si tu regardes bien, c'est du serpentin, hein. Ça paraît court comme ça, mais en fait, ils sont assez longs. Je pense que ça doit faire facile dans les 1 mètre ou 2. Il faut bien dérouler. Et 2 mètres de fil, 2 ohms, ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas déconnant non plus. Ouais. Et en ajoutant une capa, j'ai pas essayé en ajoutant une capa pour l'instant. Tu veux que j'ajoute une capa sur quoi? La sortie du haut-parleur? Une capa de découplage sur la partie de la sortie, mais elle est déjà présente en fait. Après, elle est pas auprès du. Elle est pas auprès du haut-parleur. Mais là, le truc qui me rend dingue dans l'histoire, c'est que c'est deux fils en l'air. C'est vraiment deux fils en l'air qui mettent le bazar, quoi. Mais oui, c'est du crosstalk, enfin, ça revient, c'est le nom d'impédance du HP d'origine qui est trop grande.
Du HP d'origine, bah, oui, je peux être. Là, l'impédance du HP d'origine, je sais même pas si je l'aurais. Je sais pas, ça me chagrine. On a testé avec deux HP différents. Ouais. J'ai un HP qui est le HP d'origine et j'en ai un autre qui était là tout à l'heure, j'ai proposé tout à l'heure. Et... Si les deux fils sont débranchés du bornier, t'as plus rien? Ouais, c'est ça. Non, même un fil. Regarde, là par exemple, tu vois, j'ai une capture où on a ça. Je débranche un fil. Je vais le faire là. Hein. Bon, je peux vous pas grand chose, faudra me croire sur parole, hein, mais je débranche juste un fil ici. Si j'arrive à retrouver mon petit bouton. Voilà, j'enlève le fil bleu. C'est ce fil bleu ici qui apparaît ici. Hein. J'enlève juste le fil bleu. Et regardez ce qui se passe. Je relance une capture. Hop. Test avec un seul fil de branché. Là, j'ai 516K de captures qui ont été faites. On prend les données brutes. Capture 4. En mono sur du sine 16. Voilà. Ça, c'est la capture d'avant. Ça, c'est ma capture actuelle. Et si on écoute. Ah, attendez. C'est parce qu'il y a celui-là qui met le bazar. J'ai dû réduire un peu. On va essayer comme ça. Bon, c'est pas ultra fort, mais. Alors, c'est pas possible. Il y a forcément un faux contact entre le bleu et le rouge dans la gaine. Ouais, non, mais c'est ça. La board qui fout le bazar. Non, la board met pas le bazar. Ça, c'est clair et net. Je pense pas que ce soit elle qui mêle le bazar. C'est dès que je connecte en fait le. Et oui, je suis d'accord avec 1459, 8366. Pour moi, il y a un truc entre les deux fils bleu et rouge. Après, on peut essayer de prendre un autre combiné si vous voulez. On peut essayer avec un autre, ça se trouve, c'est celui-là qui est baisé. Je peux essayer de prendre deux. Bah, faut que je redémonte le deuxième, punaise, ça va. J'ai pas. J'ai pas de place là en fait sur le bureau. J'ai l'établi, l'avantage c'est que j'ai vachement plus de place à côté. Là, c'est juste. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça devient un peu le bazar. J'ai vraiment, je suis en limite d'espace. Ma souris, elle traîne par là, c'est juste pas possible. Sinon, on pourra faire ça à un autre moment. Et qu'on se concentre au moins sur la partie qui marche. À la limite, pour l'instant, je branche pas le haut-parleur. On bosse le serveur et puis zou. Parce que là, il est quasiment minuit, ça fait quasiment 2 heures que je suis sur ce truc-là. Il n'y a pas de court-circuit entre les fils, ça fonctionne avec un HP de 8 ohms. Bah non, as-tu testé le second haut-parleur au bout du fil du combiné? Absolument. Même problème. Même problème. Après, on peut prendre d'autres boards et voir si ça merde du pareil. Hein. Quitte à prendre d'autres téléphones. Mais ça me chagrine cette histoire. Et en fait, moi, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est de ne pas comprendre. De pas comprendre pourquoi ça fait ça. Pourquoi j'ai ce comportement-là. Alors que, électroniquement parlant, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui l'explique, quoi. Je veux dire. J'ai deux fils qui sont pas branchés, ça marche. Même ne serait-ce qu'un fil, etc. Quelle est l'impédance du HP d'origine? L'impédance du HP d'origine, je crois que c'est du. Attendez, c'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué dessus. Et après la mesure d'impédance de haut-parleur, si je mesure juste avec un ohmmètre, ça sera pas vraiment efficace. Bah là j'ai rien du tout marqué dessus. Hein. Je suis sûr du. J'ai aucune info. 600 ou 2K? Je ne sais pas du tout. Après la board, j'ai déjà testé avec un haut-parleur de 8 ohms. En impédance 8 ohms, il n'y a pas de souci, ça a mis du son, ça marchait nickel. Celui-là, j'ai déjà testé aussi. Ça fonctionnait. Donc, je ne comprends pas. Et c'est agaçant.
Je peux mesurer la présence au multimètre. Bah, je peux essayer de mesurer le multimètre, mais c'est normalement c'est. L'impédance c'est pas équivalent à la résistance si je me souviens bien. Bon, ça peut donner une idée. Mais... Alors. Bêta vainqueur. Le haut-parleur d'origine, il est à 17,5, 17 ohms à peu près. L'ampli, il faut le charger avec 4 ohms. Ouais. Alors la question, c'est si quand je le charge avec 8, ça pose. Parce que du coup, qu'est-ce qui causerait les parasites sur la ligne micro dans ce cas-là, avec l'ampli? En fait, j'ai du mal à voir. Pourquoi si tu charges un ampli 8 ohms par exemple, sachant que là du coup 2 HP de 8 en parallèle, j'en ai qu'un sous la main. Après je peux réutiliser de l'HP d'origine, hein. Je l'ai, ça, l'HP d'origine si je le mets ça fait pareil. Il y a des réflexions, ça crache beaucoup plus en crosstalk, ça fait ça le mismatch d'impédance. Ouais, alors comment t'expliques quand je mets pas de haut-parleur directement, ça fait pareil. Ça transforme le truc en antenne. Ok, mais pourquoi ça fait ça? Ça fait pas quand je mets qu'un fil? Attends, faudrait que je fasse un test que j'ai toujours enlevé les fils dans le mauvais sens. Attends. Je vais essayer un autre truc. Alors, mets le HP d'origine en parallèle avec celui de 8 ohms. Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être un biais dû à mes tests. Parce que j'ai pas essayé de débrancher. Ok. Je vais refaire un test. Juste pour la forme. Histoire de vérifier que je suis pas passé à côté de quelque chose. Hop. Un, deux, un, deux. Ok. Ah, ça a rien capturé. Mais j'ai pas eu de bruit. C'est super bizarre. Ceci est un test. Bon, il a pas capturé tous les samples apparemment, mais... Bon, je pensais que oui, il y a peut-être un truc avec les prises du bornier. Mais là, non. Si je... Ouais, non, ça me fait bugger. Peut-être moi, c'est moi qui suis têtu et qui m'acharne sur ça. Alors, mets le HP d'origine en parallèle avec celui de 8 ohms. Ça ferait quoi, Pep, si je mets les 2 HP en parallèle? Parce que du coup, au niveau impédance. Donc en gros, si je résume, je branche un seul fil, un fil sur deux, qui sont totalement à l'air, qui traînent juste là-dedans, il n'y a pas de problème.
L'impédance inférieure à 8 ohms. Et du coup, si je suis sur une impédance inférieure à 8 ohms, ça devrait plus poser de problème. Alors, faut que je fasse un. Ça me. Je sais pas, je bloque. Puis là, on va arriver à l'heure à laquelle j'arrive plus à plus rien comprendre. Et je rage quitte là. Ouais, non, mais je comprends que c'est plus proche des 4 ohms attendus, ça, clairement. Mais il va falloir qu'on m'explique, quoi. Alors après, je suis têtu, obtus, ce que vous voulez. Mais alors, du coup, si j'essaie de piger ce qui se passe. En gros, on a un ampli. Alors, le problème que j'ai, c'est pourquoi ça aurait Pourquoi ça jouerait sur le truc? Parce que là, en fait, la configuration que j'ai à l'heure actuelle qui me pose problème, c'est la suivante. Il y a un ampli. Donc il sort avec. Hop. Donc il sort deux fils. Hot plus, si j'ai bien compris, et hot moins. Ok, jusque-là, tout va bien. Et là, j'ai un ADC pour le micro. Ça, hop. Donc là, j'ai le mic plus et le mic moins. Ça va sur ma board. Donc là, boum. Imaginez hein, simplement ma board, c'est juste c'est relié directement à un bornier, hein, tout simplement. Et ici, donc sur le odd plus, odd moins, moi ce que je fais, c'est que je branche deux fils qui sont totalement reliés à rien du tout, comme ceci. Tac. Et sur cette partie-là, je mets mon microphone électret. Voilà. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, quand je mets deux fils en l'air. Comme ceci, j'ai des parasites et quand j'en mets qu'un seul, j'ai pas de parasites. Je comprends pas cette partie-là en fait. C'est le truc qui me chagrine dans l'histoire. Après, bon, je peux bien comprendre qu'en fait, ici, c'est pas un fil. Si on se fie vraiment à la topologie du machin. En fait, c'est plus proche d'un truc qui est enroulé comme ceci. Et si on en met un deuxième qui est enroulé comme ceci, voilà comment ça se passe. Mais au final, les deux sont pas connectés. Donc ici, c'est. Donc si on veut faire un truc à peu près équivalent, on peut considérer qu'ici. Alors, c'est peut-être con ce que je vais dire, hein, mais on a une impédance qui est pas très loin de l'infini, grosso modo. Alors, c'est pas, elle est très élevée, elle n'est pas infinie. Enfin bon, c'est une impédance plus plus. Et on a un comportement ici qui est celui-ci. Mais effectivement, après, ça se comporterait comme des antennes, comme dit GGVA. On envoie de. Ça fait des antennes qui chopent un champ magnétique chez toi. Oui, et du coup, ça rayonnerait dans les signaux de l'électrode. Maintenant, la question, c'est pourquoi, si j'en ai. On est d'accord, c'est censé faire deux antennes. Si j'en enlève une, ça devrait quand même faire la même manipulation, quoi. D'ailleurs, c'était autre moi ici. Ça génère pas un peu champ magnétique qui fait chier les traits du même, pas ces signaux. Bah ça serait bizarre. Parce que au niveau de l'électrode, il n'y a pas de truc torsadé. Ah tu veux dire que. Alors ça fait la même chose, mais que les feeds soient sur plus ou moins. Ouais, j'ai testé en fait. J'ai testé justement tout à l'heure la suppression de l'un ou de l'autre. Si tu supprimes. Tu supprimes celui-ci ou celui-ci, le problème reste le même. Mais il n'y a pas de courant, c'est ça le truc en fait. C'est exactement ça, c'est pour ça que je bug. C'est parce que pour moi ici, au niveau du courant qui passe là-dedans, ici, on a I égale 0, quoi. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de circulation d'électrons là-dessus. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de champ magnétique dans un coil, absolument. Et c'est ce qui me fait encore plus bugger dans l'histoire. Pourquoi ça me génère des parasites? Et le truc encore plus fun, c'est quand t'en branches que 1 sur 2, ça marche. Il n'y a pas de parasitage. Quand tu laisses les deux branchés à l'air, il y a parasitage. Alors, soit il y a un truc qui se passe ici, et j'ai pas trouvé ce que c'était encore, mais il y a un truc qui n'est pas normal. Et, ce qui pourrait expliquer effectivement ça, c'est le micro lui, qui génère lui-même le champ capté par les fils. Attends. C'est le micro qui génère lui-même le champ capté par les fils.
Alors là, on est sur de la sortie, hein, de l'output de puissance, sur du. Après, je sais pas, quand j'ai bu. Que je mette un haut-parleur derrière ou pas, ça fait pareil. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, pour l'instant, pour le projet de ce soir, on peut se passer de la connectique du haut-parleur et régler le problème par la suite. Parce qu'a priori, ça a l'air d'être quand même relié au. Enfin, ça a l'air d'être vraiment relié au combiné. C'est-à-dire que c'est la configuration du combiné qui fait que ça merdouille. C'est pas. En fait, le problème, moi, ce qui m'intéresserait de terminer assez rapidement, c'est est-ce que le problème, il est ici? Ou est-ce que le problème, il est ici? Si c'est le combiné, bon, on va pouvoir faire quelque chose, ça ne remet pas en cause électronique. Si c'est ici, c'est qu'on a un problème au niveau électronique. Sauf dans le cas d'une antenne, non, là, il y a du courant induit sur les fils de l'antenne. Alors après, en pratique, si tu veux aller, si tu veux aller plus loin, effectivement, sur le. En cas de fil du pont pour tester, basta. Alors, attends, et si tu fous de résistance sur les outs. C'est le micro qui génère lui-même le champ capté par les fils. Alors j'ai rien là, donc je dis sans doute de la merde. Non mais moi c'est pareil, là j'atteins mon niveau de compétence, la limite du niveau de mon niveau de compétence sur ce truc-là. Franchement, c'est un truc qui me bug. Aucune idée. Parce que grosso modo, j'enlève ça. Ça marche. Je mets un haut-parleur directement ici, ça passe, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a la configuration et le combiné d'origine, ça merde. C'est ouf. Après, je peux refaire un combiné, quoi, s'il y a besoin, mais c'est relou. J'aurais bien aimé garder le combiné d'origine avec son fil, etc. Ça s'appelle pas un champ à boucle, ce phénomène? Un champ à boucle. Bah attends, on va regarder ça. Alors, on me parle d'un champ à boucle. Champ à. Boucle. Alors, couplage par rayonnement. Champ électrique et champ magnétique sont couplés dans les systèmes de câblage à des fils et des boucles. Lorsqu'un câble est soumis à un champ électrique variable, un courant est généré. Ouais. Donc ça, c'est le couplage champ. Le champ magnétique généré par une boucle. On prend les trucs de physique habituels. On t'explique avec que quand c'est parcouru par un courant, ça fait un champ magnétique, ouais. Faut demander à Phil, il est bon en analogue filou. Ouais, bah je demanderai demain. Mais là pour l'instant, je pense pas qu'il soit dispo. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Bon, après pour ce soir, c'est pas bloquant. De toute façon, on a encore du temps à passer dessus. On peut pour l'instant tout simplement déconnecter le haut-parleur qui nous parasite et débrouiller la chose en tout cas. Mais ça serait cool d'avoir l'explication surtout. Alors, moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est que je comprends pas pourquoi. Et j'aime pas ne pas comprendre pourquoi. Même avec une explication, on va dire, pour les néophytes vulgarisés ou quoi que ce soit, mais. Là, il n'y a pas de courant, quoi. On peut essayer qu'un autre combiné en dernier espoir, si tu veux. Un SAPCAP posé. Alors, j'ai déjà vu ça dans des boucles de détection de présence de véhicule. Un SAPCAP posé à côté parasite la détection du champ. Bon, a priori, ça m'arrête du combiné, clairement. C'est le combiné qui merdouille. Je peux essayer un autre combiné au besoin. J'en ai un autre. Hein. En redémontant tout ça. On peut essayer, allez, soyons fous. Testons l'autre combiné. On va voir si c'est sur tous les combinés ou si c'est juste celui-là. Et merde, le bousier machin. Ok, donc ça se. Ça aussi. Ok. Ok, c'est débranché. Ah non, moi je lâche pas d'affaires. Je lâche jamais d'affaires. C'est bien mon problème. Ça me vaut me coucher très tard des fois. Alors, les fils du micro sont-ils blindés? Absolument pas. Allons démonter le deuxième. Avec pas de place. Voilà. Je change 2-3 trucs. C'est quoi comme micro? C'est un micro électret.
Allez, hop. Le deuxième est ouvert. Parce que j'avais marqué des câbles. Oui, j'avais mis une petite gaine thermo sur celui-là. Ok. Hop. Hop. Je change de micro parce que j'ai plus les places. J'ai plus la place de circuler là-dessus. Ok. Hop. Ok. Après, vous pouvez me dire que je suis bête. Hein. J'aurais pu, au lieu de dessouder, de dévisser le combiné et le mettre sur celui-là, j'aurais pu prendre l'autre téléphone, tout simplement. Hein. Je vous jure, des fois, je réfléchis pas. Putain, ça me saoule. On va faire juste un test au moins avec le micro. Alors, le test avec le micro sur celui-là. Je vais vérifier que le micro est bien en place. Normalement, il est bien soudé. Vais forcément ressortir ces galères. Hop. J'ai pas de fil dessoudé ou quoi que ce soit. Ok. On va faire un test de capture avec celui-là. Et puis ensuite, on va voir si en branchant le haut-parleur, ça met le bazar. Paf, paf, et normalement, on devrait être bon. Alors, la capture, on rallume ici. Ça se connecte. Test de l'autre combiné. Ok. Un port. Capture 4. Petit boutiste, un canal 5-16 bits. Et là, ça me donne ceci. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, j'ai pas branché le haut-parleur. Maintenant, si je branche le haut-parleur, voilà ce que ça donne. Donc jusque-là, on a le comportement qui était attendu, hein, qui était proche de celui qu'on avait sur l'autre combiné. Ok. Là, je branche, je mets deux fils, enfin si j'y arrive. Il n'y a plus les micros à charbon là. Non, non. Le micro a été changé, ouais. Ça a fait un son un petit peu mieux que les micros à charbon qui étaient vieillots. Après, on perd un peu le grain du téléphone, mais bon. On va faire quelques concessions, quoi. Donc là, j'ai tout branché tel que c'était avant. J'ai juste changé de combiné. Et je refais une capture. Test avec le deuxième combiné. J'attends un peu, histoire que ça soit transmis. 582K. Hop, on va importer. Données brutes, capture 4, sign 16 bits, petit boutiste, un canal, et bruité. On a exactement la même. On a exactement la même. Après, on peut entendre, ça va certainement être très faible. Je peux couper la première, attendez. On entend quand je pose le combiné, etc.
Faut mettre des fils blindés pour le micro. Ouais, non, mais ça, je pense que effectivement, c'est la solution. Maintenant, la grande question que je me pose, c'est. Donc, on est d'accord, c'est bien les combinés qui merdouillent, et pas la carte. Parce que quand je mets un micro et un haut-parleur totalement séparé, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment c'est le combiné. L'ampli du HP qui rayonne. Bah, en fait, l'ampli du HP, il balance la sauce. Il fait son taf. Ouais, Thibaut, non, c'est pas un bon travail, c'est juste que ça veut pas marcher comme prévu. Mais c'est pas grave. Après, pour les tests, on peut faire ça sans brancher le haut-parleur et ça réglera le problème. Alors, sur la carte, il doit y avoir le filtre RC direct sur PCB, il faudrait plutôt qu'il soit au plus près du micro. Le filtre RC sur la carte, ouais, il doit être là. Attends, le micro, il est ici. Le filtre RC, du coup, ouais, on le trouve à ce niveau-là, directement sur l'ADC. Et du coup, voilà quoi. On a bien ici. Mais il faudrait qu'il soit au plus près. Alors, le micro d'origine n'était pas soudé direction PCB, pas très loin. Si, si. Mais là, j'ai rajouté de la distance, justement, et je sais que c'était pas une bonne idée. Mais je pensais pas que ça allait merder autant. Après, le truc qui me bug, c'est pourquoi ça marche, pourquoi ça fait ça même si j'ai pas de haut-parleur relié. Y a pas de feed sur le HP, non, non, il est direct dessus, je crois. Ah, sûr, Marc, t'as peut-être. Ouais, non, c'est qu'une capa en découplage. C'est un 390 picos qui est mis dessus et on a du un anneau de chaque côté. En plus, et moins. Ouais, la mystère fallait écouter en physique. Pourtant, j'ai écouté en physique. Mais. Parce que l'autre solution, c'est effectivement dans le micro, ici, de faire une amplification directement dans le combiné. Justement pour avoir un signal qui est filtré et qui est envoyé tel quel. Mais si je le plug directement ici, ça marchera pas. En gros, il faudrait que je balance ça directement dans la DC 3V 3 qui est ici, mais je sais pas où il est. Une séance guest avec un prof de physique qui nous explique, moi ça m'intéresse. Mais moi aussi ça m'intéresserait. J'enlèverais le RC au moins le condo sur le PCB et le mettre proche au micro. Ouais, mais en l'état, ça va pas empêcher le parasitage. Parce que moi, l'autre solution que j'avais, c'était me servir des quatre fils pour faire passer une alim, une masse et signaux HP et micro. Les fils dans la gaine sont torsadés entre le micro et les HP, je pense pas, non. T'as assez d'ampérage avec ton alimentation? Oui, absolument. Le système est alimenté par deux ports USB et il est sur un peu. Il alimente 1,5 A. Hein. Je veux dire, je peux pas être. Le RC fait pour enlever parasitage au niveau de l'électrette, pas d'ADC. Ah yes, tu veux dire il est là pour. Ouais. Ok, donc à la limite, ce que je peux. Ouais, mais le truc, c'est que le. J'ai pas la masse. Parce que moi, j'ai juste juste des jonctions ici sur le micro. Parce que normalement, l'électrode, il est alimenté par ADC VRF. T'as un courant qui circule, qui va dans le. Enfin, peut-être pas. Je sais pas quel ordre de grandeur, mais. Les électrodes sont hypersensibles. Ok. Il y a d'autres micros qui seraient moins sensibles, peut-être, que je pourrais utiliser plutôt que l'électrode. Mais. C'est ce qui était prévu de base. Donc, ça m'a un truc qui m'embête un peu. Ok, donc électrode avec un grand fil, ça marche pas. Bon. Alors, je vais juste refaire un nœud de fixation ici. Histoire de. Ça, je peux l'arrêter. Ça, j'enlève. Du coup, c'est ça qui met le bazar. Bon, ben. Il va falloir revoir le combiné. C'est pas glop. Et merde. Pire, ça peut marcher avec un micro dynamique, mais pas avec un électrode. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, si je dois mettre un micro dynamique, je l'ai dans le baba. L'autre solution, ça serait, et je pense que c'est tout à fait jouable dans la configuration actuelle, ça serait de réussir
à transformer les quatre fils qui sont utilisés là. Du coup, je vais permuter les combiner, hein, pas m'embêter. En gros, l'idée, ça serait d'utiliser les quatre fils qui sont à disposition dans le câble pour faire transiter une alimentation et les signaux pour le haut-parleur et le reste. Que du coup, si je me fie à ce que j'ai sur le haut-parleur, il fait un hot plus, hot moins. Mais si je mixe les deux et que je les mets à la main, je devrais avoir un son à peu près. T'as plus de fil, le 4-6 est blindé. Câble spécialiste. Ouais, c'est pas. T'es pas torsadé là. Ah si. Alors attends, tu me dis du câble Ethernet. Même RJ11 au pire, hein. Si. S'il faut que ça. Tu sais, les fils de téléphone plus récents. Ça peut marcher. Mais après, faut prendre la bonne norme, ouais. Si c'était du 2x2 blindé, t'aurais pas le souci. Ouais, donc en fait, je peux changer. Bah, à la limite, ce qu'on peut envisager, c'est de refaire le combiné. On pourrait très bien envisager de refaire le combiné. Moi, ça me. Je suis plus à ça près. Alors. Amplificateur, Electret Max 4466 avec gain ajustable. Ouais, bah ça, je dois en avoir en plus de cela. Avec tu mets VCC, la masse et la sortie. Ouais. Mais en fait, donc, grosso modo, bah, ce que je me disais, et qui pourrait être fait, à mon avis, sans trop de. Enfin, ça va être un peu la mort, mais faut voir dans quelle mesure ça peut être réalisé facilement. Mais l'idée, ça aurait été ça. Ah, on vous lit au fur et à mesure, mais après le câble blindé, parce qu'au final, pour faire simple ici, l'idée ça serait de faire ça, de enfin c'était une autre solution, donc là pour pouvoir faire ça comme il faut, sachant que c'était on a un ADC micro avec un circuit intégré. C'est-à-dire que là, en fait, donc, le haut-parleur, c'est pas vraiment le problème, en fait, c'est le micro le problème. Salut, Dix, comment ça va? Moi, je galère. Donc là, on a notre HP qui est ici. Du coup, en fait, ici, on a un système avec une interface pour un micro Electret qui était prévu tel quel, mais avec tout un ensemble de résistances. Hop, tac. Bon, je simplifie le schéma au max, mais c'est un truc comme ça, hein, grosso modo. Ici, on a la DCRF. Ensuite, sur le truc de sortie, on se retrouve avec normalement, je crois que c'est une autre résistance et une capa. Ou c'est l'inverse, peut-être. Attends, j'ai peut-être des bêtises, mais sur cette partie-là. Sur la partie micro. Ouais, c'est ça, c'est une capa qui est mise comme ça. Hop. Il se passe quoi du bruit, pas trop de signal. Ouais, parasitage du micro avec des fils de l'HP. Tout à fait, un peu mystique, ouais. Parce qu'à la limite, ça c'est ce qu'il récupère sur la DC 3V3. Ici. Moi, le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est que du coup, si je fais une ampli ici, je vais avoir un problème. En gros, là, il faut que je shoote tout le circuit qui est là et que je fasse une interface comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, dans les quatre fils que j'ai qui sont normalement deux pour l'HP, deux pour le micro, moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'en mette un ici pour VCC, que j'en réserve un autre ici. Pour la masse, et ensuite je mets un signal micro, un signal HP quoi. Et ça, dans ce cas-là, je me fais pas embêter parce que du coup, pour la partie micro, j'ai VCC, j'ai un VCC masse et le out du micro en fait, hein, directement, donc avec un petit module micro qui va bien. Et dans ce cas-là, c'est directement amplifié dans le combiné et
Je me fous un petit peu que ce soit pas blindé parce que de toute manière ça sortira avec suffisamment de patates. Et pour l'HP, bah du coup j'ai directement le signal HP, qui est, enfin HP masse grosso modo, que je peux obtenir d'une bonne manière quoi. Je sais pas trop là, franchement, sur cette partie-là. Au final, pour la partie micro, on a juste besoin de trimballer. Ça peut peut-être être plus simple de faire comme ça. Hein. Sachant que des modules micro amplifiés, j'en ai. J'en avais commandé pour un autre truc. Donc ça, à la limite, ça marcherait pas mal. Parce que là, faut qu'on loge dans le combiné un amplificateur comme ça, quoi. Et que je refasse la board, du coup. Parce qu'il faut que je fasse venir de l'alimentation. Chose qui n'était pas prévue. Mais après, l'alimentation, on peut la choper un peu n'importe où, y a pas de problème. Ça prendrait pas longtemps à tester. Si. Parce que le problème, c'est que le combiné, c'est juste une horreur au niveau des fils. Tu peux essayer d'utiliser le HP comme micro avec un transfo 600 ohms. Oui, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Là, ce que j'aimerais bien faire. En fait, à l'origine, ce soir, c'était dev du serveur. Depuis que j'ai commencé, je suis sur un problème d'électronique, tout bidouillé sur ma machine, enfin sur le bureau, et ça met le bordel. Et je suis pas satisfait des conditions dans lesquelles ce stream se déroule, pour faire simple. J'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus. Donc, pour le stream de rentrée après pause vacances. Ça aurait été sympa de pouvoir lancer le serveur, mais bon, de toute façon, vu l'heure qu'il est, là, je vais rage quitte et puis c'est tout. Il aurait fallu que je commence à développer bien avant pour avoir un truc abouti. Après, si tu branches pas tes deux fils, tu peux quand même faire le serveur et tester. Ouais, le problème c'est qu'il est minuit, quasiment minuit et demi, et si je commence à dev, c'est mort. Là, j'aurais temps d'avancer à rien. Et je commence à en avoir ma claque de ce souci-là. Donc, je pense que je vais rage quitte comme un gros porc. Parce que là, le temps que je mette à dev, que je mette dedans, etc., et il va être 1h du mat, le temps de gérer le truc. Et à 1h du mat, mon cerveau va pas marcher de la même manière qu'à 9h30. Niaise. Hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Là, c'est. C'est quoi prendre les prochains jours? T-Watch, Box Wi-Fi. Box Wi-Fi jeudi. Normalement, d'ici là, je devrais recevoir le micro sans fil. Ce qui me permettra de tester tout ça. Parce que là, franchement, avec le micro, même là, c'est la misère. Je suis embêté, entravé dans les mouvements. Enfin, c'est juste l'horreur. Non, mais c'est fun de. Non, non, je dis pas que c'est juste que je m'en veux, en fait, dans l'histoire. J'aurais bien aimé que ça déroule bien et qu'on démarre le code direct. Mais le problème, c'est que c'est pas. Ça s'est pas passé comme ça, quoi. Non, bon, l'avantage, c'est maintenant, c'est qu'on sait pourquoi ça merde. On sait exactement ce qui va pas sur le combiné et qu'il va falloir amplifier le micro. Bon, de notre côté, ça me rassure. Tu peux essayer de modifier le pont de résistance qui polarise le micro pour moduler une plus grosse partie du signal. Ouais, tu veux dire que la tension de base. Genre, tu mets une résistance en parallèle de celle qui est reliée au plus pour voir. Alors, une résistance en parallèle de celle qui est reliée au plus. Donc, ça demanderait un truc ici. Parce que là, le schéma déjà de base est. Sur le micro, c'est. Non, si je vérifie vite fait. Mais. C'est. Je vois les compos CMS, etc. Ouais, pour réduire sa résistance. Non, le problème, en fait, c'est qu'on a un parasitage du micro. Parce que j'ai un électrode qui est beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'en fait, les connectiques ici entre la borne 1 et 2 du micro sur la board sont beaucoup trop longues, et ce qui fait qu'on a un courant induit où il y a un truc qui parasite en tout cas le signal du micro. Donc l'idée, c'est potentiellement d'arriver à amplifier le micro en amont. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je rebidouille mes combinés. Et en rebidouillant mes combinés, ça veut dire qu'il faut aussi que je rebidouille le. Oh, quoique non, c'est juste des connectiques à revoir. Attends, je suis en train de réfléchir à haute voix là, sur comment gérer tout ça. Ou un codon en série sur le plus du micro. Un MIDI micro fera. Ça, je dois avoir. Je dois avoir du 2,2 aussi. C'est quel genre de parasite que t'as? Bah, c'est du bruit en fait. Vraiment du bruit de fond. Si tu soudes le micro au plus court pour tester le son est bon et les câbles out ne font plus de bruit.
Si je soude le micro au plus court, j'ai pas essayé, mais j'ai pas envie de retoucher la board. J'ai tellement fait de modif. Hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu le micmac de fil qu'on a déjà fait sur tout ça. Si je commence à tout refaire, à tout toucher, les trucs qui ont été. Bref, là j'ai pas le temps. Enfin, ça va me demander 2-3 heures de boulot, le temps de bien tout remettre, etc. Et ça va être de bazar. Au plus court, ça marche, le filtrage se fait à côté apparemment. Oui, alors quand je mets un micro au plus court et un haut-parleur au plus court, il n'y a pas de problème, ça marche nickel. Quand je déconnecte les fils du haut-parleur, ça marche nickel. Parce que bon, du coup, il y a un peu plus long, mais c'est pas parasité. C'est dès que l'amplificateur entre en jeu, que c'est là que ça part en sucette. Quand on les débranche, plus de bruit. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Boulabyte. Donc après, le mieux c'est d'amplifier, de ce que je retiens en tout cas de tout ça, le mieux c'est d'amplifier directement au plus près du micro. Et l'avantage c'est que bah, si tu renvoies un signal amplifié à destination de l'ADC, bah, du coup c'est gagné quoi, en 3,3 V. Donc en fait il me faudrait un 3,3 V en alim pour pouvoir alimenter un petit module micro électrique amplificateur et que j'arrive à comment dire... À changer le ouais c'est ça en fait donc au final Chemtech Auto je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est l'électrode qui pète qui est mal placé et le haut-parleur fonctionne bien je sais j'ai déjà testé le haut-parleur sur le combiné avec le fil etc John 3,3 V ouais John 3,3 V absolument ouais. Parce qu'en gros bah, à la limite avant de terminer ce live de manière un peu prématurée ce qui pourrait être intéressant c'est d'avoir un début de solution. Donc, en début de solution, ce qu'on pourrait tester et prototyper assez facilement, c'est piquer un 3,3 V sur le PCB. Ça, je pense qu'on va pouvoir en trouver sans trop de soucis, sans que ça bouffe trop. Donc, l'idéal, ça va être de voir, en utilisant toujours le câble en question, là, c'est... Je sais pas comment on peut simplifier le truc, mais... Hop. Voilà, ça, c'est mon super câble de la mort. Hein. Bon, putain, laisse tomber. Bon, on va faire un truc comme ça. Donc là, j'ai mon câble qui pose problème, enfin du combiné, et ici grosso modo j'ai quatre fils qui sortent. Et dans le combiné, du coup, c'est un peu chiant parce que pour faire simple, on a une première partie. On essaie de faire une vue en coupe comme ceci, et un truc qui se prolonge avec une deuxième partie comme ceci. Tac, et bien sûr, entre les deux, on a ça qui pose problème. Donc tout ça, c'est plein. Hein. Voilà. Hop. Et moi, ce qu'il y a pour l'instant, c'est que j'ai deux fils, mes deux fils qui sont utilisés ici pour le micro, qui débarquent à ce niveau-là. Et j'ai deux fils qui sont utilisés pour le haut-parleur, ici, qui font tout ça et qui débarquent ici. Pour faire simple, hein. J'ai pas mis la polarité ou quoi que ce soit pour l'instant. Mettre une ferrite dessus, ça éviterait pas les parasites. Bah, le problème, c'est que dans le câble, ici, ils sont vraiment côte à côte. Donc mettre une ferrite dessus, je pense pas que ça éviterait absolument tout, à moins que ça soit la solution miracle. Et ça veut dire aussi avoir une ferrite qui se traîne sur le fil, c'est pas la meilleure solution, je pense. L'autre idée, c'est de mettre ici un petit module électrette, donc la partie mic avec amplification. Donc on le relie sur les deux fils ici, et il va falloir aussi potentiellement que j'arrive à le relier sur un troisième fil ici. Pour avoir à ce niveau-là VCC, à ce niveau-ci la masse et le out ici. Ça veut dire que grosso modo, j'aurai un HP qui sera relié sur la masse. Donc là, j'ai donc un 3,3 V ou similaire, enfin peu importe, un hein, VCC si vous préférez, qui arrive ici. Là, j'ai le out du mic, le signal du micro. Là, j'ai le signal du HP. Et ici, GGND. Et en faisant ça, du coup, ça permettrait. Essaye le codon en série. Ben, le codon en série, je pense que je peux tester assez rapidement parce que je dois en avoir un sous le coude en 10 micros. Le codon en série en 10 micros, tu penses que ça peut passer? Ça va juste tuer la composante DC. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une autre entrée mic avec un jack sur ta carte. Non, c'est une sortie audio, en fait. C'est un jack. C'est pas du micro, justement. Parce qu'au début, je pensais que j'avais ça à dispo et c'était cool, mais non. Quand tu regardes la partie jack, en fait, c'est un jack stéréo. Ici, il te sort un autre P sur les.
Sur les deux sorties, en fait, hein, même ici. C'est du jack stéréo, mais en fait, ça te sort que la sortie haute positive. Et la haute positive, elle vient de ici. Donc, c'est le composant ES7243 qui a lui aussi, normalement, le micro en entrée. Qui te fournit, en fait, juste du son en sortie. Il n'y a pas d'entrée à ce niveau-là. Bon, il y a une détection de connexion, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Donc en gros, l'idée, ça va être de court-circuiter quand même. Si je me base sur ce que je disais ici, et ça, je pense que ça peut tenir et ça peut marcher. Le seul problème, c'est comment je convertis le signal du HP tel qu'il est présent à l'heure actuelle par l'amplificateur en un truc que je peux exploiter. Je vois bien globalement comment je peux m'en sortir. Parce que, en fait, typiquement, sur l'amplificateur du haut-parleur, on a une composante négative et une composante positive. Donc, on a la partie négative qui est, enfin, positive qui est ici, qui est envoyée sur cette borne-là, une partie négative sur cette borne-ci, et on a ensuite le grand audio qui est présent à ce niveau-là. Donc, ce que je peux très bien faire, c'est juste garder la patte 1 connectée là-dessus, ou patte 2 seulement, et puis connecter l'autre à la masse, et ça règle le problème. Il faut que la partie micro fonctionne en boucle de courant. Oui, mais le module micro, justement, l'avantage, c'est qu'il fait l'amplification. C'est-à-dire que là, en fait, le module que j'ai ici, c'est un module micro qui est directement pris. Ça, c'est du. Oups. Là, l'idée, c'est d'avoir un module micro ici, un truc tout fait, qui fait l'amplificateur. Donc, avec amplification intégrée. Et envoyer ça, non pas sur l'entrée micro, mais directement ici, sur la partie ADC. Et ça, du coup, faut que je trouve à quel endroit ça s'est relié sur le PCB, parce que j'ai aucun point de test qui mène sur cette partie-là. Donc ça veut dire hacker encore le PCB pour trouver où mène l'entrée ADC, quoi. Là, ton ampli est en symétrique, si tu branches ton HP entre la masse et une sortie, tu vas perdre en volume. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça le problème que j'ai, en fait. Il faudrait 5 fils pour être tranquille. Et là, j'en ai que 4. Vraiment, vous ayez une solution une ruse de Sioux, moi je suis preneur, hein, mais. C'est-à-dire, je me rends compte qu'en fait, hop, vous voyez pas le schéma entier. Mais je suis obligé de faire passer une masse, en fait, dans l'histoire. Donc, ça veut dire que grosso modo, pour un combiné idéal, il me faudrait 5 fils. Il me faudrait, pour le combiné idéal, il me faudrait un fil pour VCC, un deuxième pour la masse. Un troisième pour le signal micro-out. Donc ça, c'est pour la sortie amplifiée. 4 HP+, et 5 HP-. Mais ça, le truc, c'est que j'ai pas ça. Moi, j'en ai que 4 à disposition. Donc c'est la même merde. C'est la même merde. Ah, c'est pas possible, ce truc. Ethernet torsadé. Ouais, bah dans ce cas-là, faut changer de câble. Faut changer ça, en fait. Ça, c'est de la merde. Ça, va falloir s'en débarrasser. Ou alors, faut tout numériser en combiné. Non, le max, je fais pas tout numériser en combiné. Non. Faire un ADC dans le combiné avec du sampling, etc. Non, ça va être pire. Transforme le combiné en USB. Ben voyons. Non, non, mais franchement, le truc du combiné, c'est. Idéalement, j'aurais bien voulu utiliser le combiné d'origine. Et le problème, c'est que le micro, ça passera pas. Ça passera pas, c'est pas possible. Si c'est ça qui merde, et si c'est ça qui. Si c'est ce micro qui parasite et qui arrive pas à récupérer le signal, c'est qu'en fait ça passe pas. Et c'est pas cool. Alors, tu peux facilement coller un câble si tu décides de le changer. Bah, après, c'est un ensemble, en fait. Tu vois, typiquement, le câble, il a une terminaison comme ceci. Il faut que je vois si j'arrive. Alors, je sais que ça peut s'enlever, ce truc-là. Mais il faut que j'arrive à refaire un câble à peu près de la même section. Je trouve un truc. Enfin, c'est pas mal de conditions pour arriver à transmettre deux trucs, quoi. Sinon, deux pots de yaourt, une ficelle tendue, ça marche bien. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Tu fous un AirPod dans le combiné, c'est réglé. Et t'as pas un blindage dessus? Non, il n'y a pas de blindage là-dessus. Non, non, mais. Pff, ouais. En fait, là, ce qui va me tuer, c'est le combiné, c'est pas la solution technique électronique ou codage qui va avec, quoi. Il n'y a pas de solution simple concernant le câble. Ouais, là, c'est ça. Après, on peut peut-être bidouiller un truc pour que ça marche.
J'ai un combiné sous la main, tant qu'on a démonté des trucs, autant y aller. Hop. Parce que normalement, il y a des petites vis. Il y a un petit truc à enlever. Si je me souviens bien. Qu'un genre de clip qui tient. Hop. Je l'ai fait là. Je suis en train de m'acharner sur le combiné, du coup. Hop. Et qui tient l'ensemble des fils. Là, je l'ai fait sauter, bien sûr, parce que je suis super sympa. En fait, le fil s'enlève. Hein. Alors, la question, c'est est-ce que je peux enlever. Et il y a un genre d'adaptateur qui est totalement. Qui a l'air d'être prévu pour faire passer le fil et qui s'enlève. Donc si on arrive à adapter un fil là-dessus, ça peut marcher. Ça, c'est le petit bout qui était dans le combiné. Il se passe quoi? Bah, il se passe que le combiné nous fait des problèmes. Des fils. Parce qu'en gros, si j'arrive à trouver un fil de blindé, c'est réglé. On est d'accord. Si je trouve du fil blindé qui torsadé comme on a vu là, et que je remplace le fil du combiné par ce truc-là, ça devrait passer. Ah, désolé, je suis enrhumé, c'est une catastrophe. Tu changerais le câble comme une grosse couchoune. Ouais, mais je pense que ça va être la meilleure solution au final. Hein. Changer le câble, ça permettrait de limiter déjà la galère. De pas avoir un design de PCB et de se casser la tête avec. Et si on prend un câble blindé, ça règle tous les problèmes, non? Bah après, ça perd son charme sur le câble originel. Bah ça, je suis d'accord avec toi. Mais le câble original, justement, c'est celui-là qui nous pose problème. Le câble original, c'est vraiment quatre fils qui passent au milieu, quoi. Et ils sont pas blindés. Le câble, c'est ce qui fait tout. Ouais. Après, il existe des câbles torsadés avec du blindage comme sur des micros des radioamateurs. Tu peux utiliser un micro de PC de CB. Attendez, bougez pas. Je fais une petite pause de 5 minutes, faut que j'aille me moucher tout ça, mais je reviens. Je vais en mettre un peu de musique aussi au passage, parce que du coup tout a disparu depuis tout à l'heure, c'est un peu morne. Du coup. Petite pause. À tout de suite. Bon, de retour. Ça va mieux. Oui, donc au final, si on prend du câble blindé, devrait pas y avoir de problème. C'est ça. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Donc si je trouve un câble blindé qui a à peu près le bon diamètre qui va bien, quitte à faire un petit peu d'impression 3D pour que ça rentre bien, et qu'on arrive à le faire rentrer dans le combiné, c'est gagné. J'essaie de reconstituer le câble de base.
Tac. Tac. Ok. Genre un dynamo. Alors, tu peux mettre un condo entre une des lignes du micro et de la masse pour le polariser et éviter qu'il se comporte en antenne. Oui, on peut faire passer de la lime dans ce cas-là, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, du coup, regardons un petit peu les câbles qu'on peut. Parce qu'après, oui, mais. Idéalement, si je peux trouver un truc avec deux câbles blindés audio qui fait le taf, c'est réglé. Parce que du coup, le blindage évitera les parasitages. Et vu que c'est ça qui met le bazar. Alors, voyons voir. On me conseille quoi? Donc, les câbles de CB, apparemment. Pas mal. Alors, cordon spirale micro. 5 € TTC sur le spécialiste radio combiné. Ok, un cordon spirale pour micro. Mais du coup, il n'y a que deux fils dedans. Alors, un dynano entre les. Je sais pas. Des micros, des passibles, des fils blindés et deux fils pour la commutation TX-RX. Alors, attends, je prends un micro de CB. Un truc dans ce genre-là. Alors, mon lien était internet en spirale. Et salut Romain. vous avancez ce soir? Bah, on a bien galéré. On n'a pas fait de code. C'était prévu de coder. Pas de code. Juste une résolution d'un problème de parasitage sur le combiné. Et du coup, il va falloir bosser le combiné. Et il y a peut-être un truc qui peut marcher ici. En fait, on en a dit qu'il faut changer de câble. Et idéalement, si je peux trouver un truc, le chef de projet va encore gueuler, ouais, absolument. C'est ça. 4 fils plus stress, le lien de Lebax. Ah, attends, le lien de Lebax, 4 fils plus stress. Cordon spirale micro, ouais, c'était celui-là. 4 fils plus stress, soit 5 conducteurs au total. Oui, donc celui-là, il est blindé. Avec Ethernet, tu auras 8 fils dedans et hop. Attends, j'essaie de suivre les différents liens, attendez, bougez pas. J'ai fait une direction de Mike, il pas très grave, juste parler de Powering, Baking, de Scotinolf. Microphone, output, positor, pass 6, frequency down to 20 Hz. We need to do the. Après, il faut juste idéalement un câble blindé point barre. Alors, conducteur cuivre nu, cuivre étamé, jauge de fil, catégorie de câble spirale. Bon, il est blindé pour le dehors, mais pas entre les paires. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. En fait, j'arrive à trouver un câble qui est blindé entre les paires. Ou deux câbles audio à passer, quoi. Pour pouvoir fonctionner. En fait, le truc, c'est que si je dois refaire un module avec amplification, et refaire un PCB, et retester, reprototyper sur un micro, pour qu'au final, il va falloir. Oui, pour l'effet spirale, ouais. Bah voilà, ça me refaire du taf en plus, sachant que j'ai même pas commencé à dev, alors qu'il aurait fallu que je dev ce soir pour avancer sur le code. Le problème, c'est que ça sert un peu à rien, dans le sens où on pourra pas écouter si on met le haut-parleur, ce que ça fera un son dégueu. Bref, va peut-être falloir qu'on règle le problème du hardware avant d'attaquer le software. Dans tel Skype, c'est un électricien. Si tu mets un Bluetooth sur le micro pour communiquer avec la carte, tu peux peut-être conserver ton câble d'origine. Si je mets un Bluetooth sur le micro. Alors j'ai du 4-6 spiralé. Mais après, ça va me coûter combien du 4-6 spiralé ?
0$. Pourquoi pas. Alors, jacket color, il existe en black. RJ45. Ouais, ça douille. Si je prends le boss size, working lens. One feet retracted, 5 feet extended. Lens direction. En régulier. Ah, ça fait 27 € le câble, 20 € le câble. Pas de connecteur, tu vas couper, c'est moins cher. Attends, si je prends pas de connecteur, du coup. No thanks. On est sur du 20$. Ouais, bah, vous savez quoi, j'ai repensé. Je pense que je vais brainstormer là-dessus, voir si je peux pas trouver une solution à ce truc-là. Parce qu'idéalement, le fait de réutiliser le câble avec cette solution-là n'était pas si dégueulasse. Je garde le même câble, j'arrive à loger un truc. La seule contrainte que j'ai, c'est comment sortir le signal du haut-parleur sans perdre trop. Sachant que des modules micro, j'en ai. Je sais plus où je les ai rangés, mais j'en ai. J'en ai deux, au moins. C'est un souci de parasite, bah c'est dû en fait au déport du microphone électrique qui capte toute la merde. Donc il faudrait amplifier avant de mettre dessus. Mais à la limite, ça je peux le tester au moins sur le fonctionnement du micro. Ouais, le petit schéma, mais le problème c'est que. Je regarde, j'ai du 3,3 V directement que je peux choper sur la board sans trop de soucis. Parce que du coup, il est mentionné sur des points de test. Sans trop galérer, je pense que c'est jouable. Parce que j'ai un 3,3 V, une masse au moins directement accessible. Le seul truc qui fait suer, c'est qu'il faut que j'envoie sur la DC directement et le passer par le micro. Mais ça, à la limite, j'ai l'impression qu'il y a des points, il y a des composants qui manquent et qui pourraient permettre de se connecter directement dessus, un peu en mode crade. Bon, ça va être sale, en tout cas, si je fais ce système-là. Ça va être plus sale qu'avant. Et puis, de toute façon, là, je commence à être totalement KO. De rien, de pas avancer. Bon, vous savez quoi, on va rester là pour ce soir. On va peut-être faire un live improvisé demain soir, en gros, parce que, pareil, je suis encore un peu seul à la maison cette semaine. Voir si on peut régler le problème. Mais là, j'ai une perte de motivation pour reprendre tout bah, je sais pas. Voilà, je reprends en août et je suis déjà démotivé. Cool. Non, je sais pas là. Franchement, j'ai l'impression de pas avoir avancé ce soir. Mais bon. Non, je démarre pas un nouveau projet, Iron Man. Ça servira à rien. Au lieu de terminer ce qu'on était commencé. Mais bon. Bah, je pense que la solution la moins coûteuse, c'est de faire ce genre de truc. C'est-à-dire de. Tu dépouilles un truc comme ça. Un Baofeng. T'en fais pas pour le stream, c'était quand même très bien. Non, mais merci pour le. C'est très bien, etc. C'est juste que j'avais prévu de démarrer le soft. Et je me rends compte que le hardware merde encore. Et ça, c'est pas glop. Parce que à l'origine, j'avais fait des tests et j'avais un truc qui marchouillait à peu près. Je m'étais dit, allez, avec un peu de nettoyage, ça passera. Mais en fait, c'est plus problématique que ce que je pensais. Et du coup, faut repenser la partie hardware. Ça impose de revoir le combiné. Et dans les cahiers des charges, je m'étais fixé, je voulais pas refaire le câble en fait, je voulais pas changer de câble. Donc je pense que la solution la plus viable à l'heure actuelle, ça serait celle-ci en fait, d'arriver à passer une alimentation, une masse, et récupérer un signal micro et HP. Enfin, un signal micro et envoyer un signal HP. Revoir le filtre hardware au niveau de l'entrée micro. Bah, le filtre hardware au niveau de l'entrée micro, tant que j'ai ça de fil avec un électrode qui est totalement déporté, du coup j'ai le problème, si j'ai bien compris. Alors si tu veux reverser du hand, bah c'est bien de la merde. Non, j'ai pas envie de reverser du hand. Jeudi, on avance sur la partie box du coup. J'ai reçu du matériel d'AliExpress qui permettra de se faciliter la vie sur les tests qu'on avait à faire. Sur la CB, t'as combien de fils dedans? Bah, c'était 4 fils, je crois, il me faut. Non, jeudi, il y a tout le matos qui est prêt. J'ai tout ce qu'il faut pour avancer, il n'y a pas de problème. Jeudi, on va faire le dump de la flash qui fonctionne.
Je l'ai déjà fait dès que j'ai reçu le matériel, mais on va voir ça ensemble. Jeudi, on voit aussi pour souder l'adaptateur ZIF sur le PCB d'origine, ce qui me permettra de faire de la reprogrammation sans avoir à dessouder, ressouder, et on pourra attaquer les tests. Parce que du coup, on aura un dump complet de la flash existante, un truc qui permet de la sortir et de la remettre, c'est réglé. Donc ça. Bah en fait, le problème que j'ai aussi, Kemtakoto, c'est le niveau de signal. Quand il y a du bruit, l'électrode, il renvoie un niveau de signal pourri, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, ce que j'aurais fait, c'est mettre. Je pense que j'aurais vu le. Enfin, bref, je sais pas trop, là. Le truc d'alimentation, après, c'est juste. Juste déporter le circuit amplification au niveau électrode, quoi. Bah, je vais essayer de voir ça. Mais je pense que la solution de changer le câble avec une alimentation et de déporter l'amplificateur électrode au plus près du micro, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Alors, sur Amazon, 4 fils. Ouais, bah c'était ça que j'avais vu, moi, du câble téléphonique. Et du coup, il est fait pour en plus. Parce que du coup, c'est un truc je sais pas si c'est blindé du coup. Alors, le câble élastique mesure 7 mètres, type de connecteur. Parce que du câble téléphonique, j'en ai. Hein. J'en ai à dispo du câble téléphonique, y a pas de problème. C'est un bruit, avoir un ciel plus élevé rendrait le bim en présent. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je pense qu'on va se réserver un live spécialement pour ça, tranquille. Peut-être cette semaine, peut-être demain soir si je suis motivé. Peut-être vendredi, je sais pas. On va voir. Parce que là, clairement, faut résoudre ce problème-là. J'ai le matériel à dispo. Faut qu'on reprenne un peu de prototypage. Quitte à ce que je ressorte tout du téléphone au besoin. Et voilà. Ces câbles virgins sont ni blindés ni torsadés. On appelle les frères Poulain. Oui, je pourrais. Oui. Je pourrais appeler les frères Poulain, oui. Ou pas. Non, mais franchement, on va y arriver. C'est juste que. Ce teasing de fou pour le dump de la flash pour jeudi. Non, je teasais pas comment dire. C'était pas un teasing du dump de la flash. C'est juste que ça marche. Je sais que ça passe. Et j'ai récupéré pas mal de trucs déjà. Enfin, j'ai fait un premier test. J'ai préparé le truc avant, histoire de pas me retrouver bloqué comme ça a été comme les deux fois précédentes où on a eu un dump qui merdouillait, l'adaptateur qui allait pas, etc. Enfin, c'est bon, je commence à avoir marre des merdes techniques. On va essayer d'améliorer le truc. Et non, mais je pense que je vais potasser de mon côté sur le combiné. Voir si je peux faire un petit prototypage qui va bien avec un amplificateur intégré. Et. Le rapport signal-bruit est déterminant. Ben oui, mais le problème du condo, en fait, c'est qu'il va t'éliminer certaines fréquences quand tu le mets sur le truc. Mais il faut que ça soit calé sur les bonnes fréquences de bruit. Mais le bruit, il dépend du haut-parleur. Donc, dès qu'on va envoyer autre chose dans le haut-parleur avec des fréquences vocales ou autres, ben, ça va forcément jouer aussi. Donc, je pense que le meilleur. Enfin, pour moi, de ce que je comprends, ce qui se passe, c'est que c'est le microphone électrode qui capte toute la merde. Et le fait qu'il soit relié, qu'il soit connecté très loin de son circuit d'amplification, et en fait, l'ADC, il chope toute la merde autour, et c'est réglé. Donc, en faisant une amplification en amont dans le combiné, et en faisant ensuite une conversion via l'ADC du signal qui a été mesuré, je pense qu'on peut s'en sortir. Et oui, le câble audio blindé pour la partie micro, je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est que le câble audio blindé, il faut que je refasse tout le câblage du combiné, que je vois notamment si ça marche, que je trouve le câble qui coûte pas 20 euros, parce que 20 euros plus 20 euros plus 20 euros, ça commence à faire quand même pour le projet, et un truc qui soit simple d'emploi au final. Parce que si quelqu'un veut reproduire, faut pas que ça soit la merde, quoi. S'il faut retrafiquer le combiné, etc., idéalement en reprenant juste le câblage d'origine, enfin c'est pour ça que ça m'intéressait plus de. Miser bruit, une autre solution serait de rendre le ciel plus important. Ouais, c'est ça. Bah, c'est cette option-là, je pense, que je vais tester. Le fait d'amplifier le signal du micro et de l'envoyer directement sur l'ADC. Par contre, là, du coup, il y aura peut-être des petites soudures un petit peu crado à faire sur la borne, mais ça sera quand même plus abordable que de changer tout le câble. Enfin bon.
Mets-le dans ta wishlist. Ouais. Bah, faut se trouver une solution qui marchouille déjà. Un truc. Parce que ça m'ennuie là. J'aurais bien. Enfin, j'avais prévu de me lancer dans le dev du serveur ce soir et ça sera pas le cas. Mais bon, l'avantage c'est que au moins si on a une solution pour le combiner, ça serait cool. Ça permettrait d'avoir un truc qui marche mieux. Bref, je tourne en rond en fait dans les explications. Je suis en train de ressasser tout ça. Le mieux, je pense que, vu le résultat de ce soir et qu'il est quasiment 1 heure du mat, c'est qu'on en arrête là. On arrête là pour ce soir. Ça n'a pas été productif. Ok, on a trouvé l'origine du problème. On sait comment le résoudre. On a 2-3 pistes pour la suite. C'est déjà bien. Et puis ensuite, bah, on va essayer de mettre ça en place dans un live. Les autres lives de la semaine, donc il y a celui de jeudi avec la Flash, ça s'est calé. Et il y aura peut-être un demain, enfin, je sais pas, peut-être un petit peu en. Le seul. Potentiellement demain soir, peut-être, je sais pas. Si je suis motivé, si je veux faire un proto. Peut-être du test sur. Sur ce téléphone et sur ce combiné, voir si j'arrive à m'en sortir. Mais ouais, non, ça reste productif dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a quand même une solution, un début d'idée de pourquoi ça merdouille et on va essayer de régler le problème. Mais je pense pas que ce soit catastrophique à faire. Le problème, c'est qu'en l'état, j'aurais bien aimé basculer directement sur la partie atelier, faire le test, prototyper le truc, etc. Mais c'est un merdier sans nom. J'ai pas eu le temps de ranger. J'ai des trucs du boulot, etc. qui sont dessus. Enfin, je pensais plus rester ici à coder devant un PC plutôt qu'à bidouiller l'électronique. C'est pour ça que ça m'a un petit peu chagriné durant le live. Donc, vaut mieux que je prépare bien le truc, quitte à ce qu'on fasse du prototypage ensemble, qu'on teste sur la board, etc. Qu'on mette en place qu'on bidouille un combiné qui va bien, un petit peu en mode Cradock comme on l'a fait précédemment, et qu'on regarde ce que ça donne sur le rendu, mais que ça soit préparé, quoi. Que j'ai tout le matériel qui va bien, que je sois pas dans des conditions un petit peu comme ce que j'ai proposé ce soir où c'était voilà pas terrible. Donc voilà. Bon, et eh ben moi je vais m'arrêter là pour ce soir. En tout cas ça aurait été productif. On aura trouvé l'origine du problème. Maintenant faut le réparer et on pourra envisager de développer le serveur VoIP plus tard. Hein, du coup, une fois que ce problème sera résolu. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont aidé au debug et qui ont proposé des solutions. Et puis, bah, du coup, on se retrouve, on va dire, sur les, au mieux jeudi, pour la suite sur la box et les hacks, notamment le hack du bootloader. Et peut-être demain soir, je sais pas, ou peut-être dans la semaine prochaine. Aucune idée pour l'instant. Ça va un petit peu dépendre de comment ça avance sur. Comment dire? À côté pour la suite des interphones. Non, 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 mais je suis blasé, oui, parce que c'est pas comme ça que je voulais que ça marche, mais bon, c'est la vie, ça, c'est. Voilà. C'est aussi le truc de faire des streams comment dire, et d'improviser un petit peu durant ces streams-là, quoi. Mais bon. Bah, en tout cas, on se retrouve jeudi, quoi qu'il arrive. Peut-être demain soir, je sais pas, on verra au besoin, mais j'annoncerai s'il y a un truc un petit peu. Un petit peu, comment dire, il fait du prototypage à l'arrache, ce genre de choses. Et puis, sinon, bah, semaine prochaine, hein, on continuera les interphones et certainement aussi la box en fonction de comment ça se passe. Voilà. Bon, je suis rincé pour ce soir et je sais plus où j'en suis. Donc, je disais quoi? Ah oui, bonne nuit tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci à ceux qui ont follow. Merci aux resubs. Merci pour le train de la hype. Je pourrais repasser tout le monde. Enfin, tous les gens qui sont resubs. Merci à vous, les gens qui ont follow. Light Drop, Erwin, notamment pour les derniers. Et puis, bah, du coup, moi, je vous dis à une prochaine. Et bah, à fun, hein, avec plein de trucs, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour le prochain stream. Moi, en attendant, je vais aller dormir. Pareil que la nuit porte conseil, j'aurais peut-être une idée sur comment gérer ce combiné. Allez, bonne nuit, bye!